Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est en live, live exceptionnel. Il est minuit, il est quasiment minuit, les amis. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un live assez incroyable. Voilà, Animal Crossing New Horizon se débloque normalement dans 4 minutes, puisque le jeu sort officiellement à minuit pour les gens qui l'ont acheté sur le eShop comme moi, puisque vu la période actuelle, je préférais l'acheter sur le eShop parce que très clairement je ne savais pas si les jeux allaient arriver, etc. Et donc on est parti pour un stream découverte de la nuit, un petit peu Animal Crossing. Alors, on n'ira pas non plus très très loin dans la nuit, hein. Genre, le live va durer, je pense, de minuit à, je dirais, 2 heures, 2 heures et demie, grand grand max, pas plus. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres contenus demain et ce week-end et tout. Mais voilà, là c'est un stream un petit peu de la découverte. D'ailleurs, je sais même pas ce qui va être techniquement possible de faire, parce que si jamais vous connaissez Animal Crossing, vous savez que souvent la nuit tout est fermé dans le jeu. Donc je sais pas s'ils ont prévu ce cas de figure ou s'il va falloir qu'on change l'heure de la Switch. Enfin, j'en sais absolument rien. Donc on va voir. Mais voilà, du coup j'avais envie de lancer ce live quelques minutes avant. Je vous avoue que je suis assez impatient pour le coup. Assez impatient, on va voir. J'espère que vous allez être chaud avec moi les amis, et puis on va partir pour cette découverte d'Animal Crossing, hein, mine de rien, qu'on attend, que je sais vous attendez nombreux depuis des mois, voire des années pour certains. Et là pour le coup, bah, ça y est, depuis quelques mois, les trailers et tout, j'ai pu mettre la main dessus il y a 2 semaines, 2 semaines et demie. Et ouais, le jeu est vraiment très 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 cool. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer. Donc pour vous montrer, hein, j'ai déjà téléchargé le... Hop là, on va basculer sur cette scène-là. Voilà, j'ai déjà téléchargé le jeu, il est là. Simplement pour le moment, ça me dit que je n'ai pas encore accès. Et normalement à minuit, il va se déverrouiller. On va revérifier. Mais voilà, vous ne pouvez pas encore utiliser ce logiciel. Logiquement, il va être possible d'y jouer à partir de minuit. Alors, est-ce que ça va être minuit pile, minuit une, j'en sais rien. Bon, on va voir. Mais en tout cas, logiquement, il va être possible d'y jouer très bientôt. Merci beaucoup, Zayden, pour ton don. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je rappelle que si jamais vous me découvrez sur cette série, si jamais vous êtes là sur c'est votre premier live ou quoi, si jamais vous voulez me soutenir, les amis, il y a la possibilité de devenir membre. Membre, qu'est-ce que c'est? C'est un sub YouTube dans lequel vous avez, eh bien, un badge. Eh bien, vous avez accès à des emojis qui arrivent très prochainement. Vous avez accès à plein de petites choses, des vidéos en avance, les avant-premières, ce genre de choses. Il y a un petit lien dans la description, ça ne coûte que 1 €. Voilà, si jamais vous voulez me soutenir d'une petite manière, eh bien, n'hésitez pas, ça fait toujours très plaisir. Et voilà, le lien est dans la description. Bon, écoutez, il est tard, mais c'est pas grave. J'avais envie d'être là présent. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient procuré le truc avant. Je vous avoue que j'ai pas cherché à sortir de chez moi. On respecte le confinement, donc je suis pas allé acheter le jeu avant dans des boutiques ou quoi qu'ils l'auraient lâché. Donc, écoutez, normalement, techniquement, dans 1 minute, il se débloque. On va voir si c'est vrai. J'espère, parce que sinon, ça va être un peu long. Mais ouais, dans 1 minute. Dans 1 minute, les amis. Merci beaucoup, Wakfu. Merci beaucoup à toi. Pour ton don, ça fait très plaisir. Pour ton membre, merci beaucoup. Et puis voilà, et puis on va voir, ça rappelle un petit peu les soirées E3 qu'on peut faire et tout. Voilà, d'ailleurs, cette année, malheureusement, il n'y aura pas de soirée E3, hein, vous êtes au courant. Mais ça rappelle un petit peu les soirées E3 qu'on peut faire et tout d'habitude, donc c'est plutôt sympa. J'espère qu'il ne faudra pas redémarrer la Switch, c'est ma seule crainte. Et il est minuit, on va passer là-dessus. Et on va voir, techniquement, il est minuit sur ma Switch également. Les amis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre un petit peu plus de temps? Je ne sais pas. Merci China, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas encore utiliser ce logiciel. Yes, on adore. Merci beaucoup à Nico Magnus. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ça fait très plaisir. Merci à vous. Vraiment. Vous ne pouvez pas. Yes, on adore. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de gens qui vont essayer de le faire. On va voir. Merci à Benefroze également. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux là à arriver. Ça fait plaisir. Alors, attention. Yes, on adore, on adore, on adore, on adore. Merci beaucoup à Nat également qui a fait un don de 5 €. Merci beaucoup. Dream of Winter qui dit sera demain pour moi, ce soir je suis au taf. Eh bien, bon courage à toi, merci beaucoup. Les amis, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Est-ce qu'il faut redémarrer la Switch? Minuit 1 ou 2, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Écoutez, c'était sûr, hein. C'était sûr. C'était sûr, c'était sûr qu'on allait avoir un truc à la con. Ils ont dit minuit. Techniquement, je suis désolé, nous sommes minuit. Bon, est-ce que vous pensez qu'il faut redémarrer la console? Écoutez, on va. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que. Comment on fait ça déjà? C'est hop.
Je veux l'éteindre, je sais jamais comment on éteint une Switch, c'est terrible. Je sais même plus. Je sais plus comment on éteint une Switch. Parce que normalement, si je la mets... Attends, c'est peut-être comme ça. Si je fais ça... option d'alimentation. Redémarrer, voilà. Merci beaucoup, chat qui se fait caresser, c'est son pseudo, très bien. Merci beaucoup à toi. Mais ouais, alors je sais pas pour vous, mais je n'éteins jamais ma Switch. Pour le coup, je n'éteins jamais ma Switch, c'est-à-dire que je la mets toujours en veille. Mais je l'éteins jamais. Donc bon, on va voir. Toc. Alors, est-ce que cette fois, on est bon ou pas? Hop, voyons voir, vérifions pour voir si ça venait de ça ou pas. Eh bien non. Comme tout le monde. Ok, très bien, je ne suis pas le seul, visiblement. Nous allons voir. Vraiment, ça a été annoncé comme étant minuit. Hein. Je vais aller voir du côté de mes modos si il y en a un qui a réussi. Pour moi, c'est bon, on me dit dans le chat. Ah, alors attendez. On va voir, il y a peut-être des gens qui ont réussi. L'honorable Lucas, merci beaucoup. Merci, merci, merci. J'attends de voir. Hop. J'attends de voir, j'attends de voir. Hop, pendant ce temps, je vais voir de mon côté. S'il y en a parmi vous... Ah, il y en a qui disent que c'est bon apparemment. On va voir. Est-ce que ça marche? Chez moi, ça marche pas. Plein de gens disent que c'est bon. Eh ben, c'est génial pour vous. Bien joué, les gars. C'est absolument incroyable. Ah là 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 là. Tout le monde dit c'est bon. Moi ça marche pas, ça marche. Bah écoutez, on va redémarrer la console. C'est incroyable, on adore. On adore, on adore, on adore. Hop, redémarrer. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Hop, on va voir s'il se passe quelque chose pas. Il y a une mage. Bah ouais, mais pour l'instant, moi la mage, ça me la propose pas quoi. Donc bon. Alors. Voyons voir. Vérifie. Ah. Eh ben non. Eh ben c'est cool. Eh ben c'est génial. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Merde. Pourquoi il y en a chez qui ça marche et chez qui ça marche pas? C'est incroyable. On adore ça. Putain, c'est incroyable. Merci beaucoup. Fais plus et mettre à jour. Ah. Pensez que c'est ça? On va voir. Disposez déjà de la version la plus récente. Bon bah non, ce n'est pas ça. Eh ben c'est génial, vraiment. Pourquoi il y en a pour qui ça marche et moi ça marcherait pas? Yes. Yes, 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 yes. Merci beaucoup chat qui nous refait un don. Putain, incroyable. Eh ben... Mise à jour de la console. Mais non, tout est fait déjà. Enfin, je crois bien. Non, moi ça marche pas. Ça marche pas pour moi non plus. C'est bon, ça fonctionne pour moi. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que ça fonctionne? Parce que moi apparemment... Non, j'ai déjà la mise à jour la plus récente, tout va bien. Non, je suis comme toi, Sif. Ok, ouais, il n'y a pas que moi, ouais, très bien, très bien, très bien. Merci David, salut Sif, pour moi il est que 19h. Je dois attendre demain, je travaille jusqu'à 15h. Bon courage. Merci beaucoup. Ouvre-le dans le store. Ouvre-le dans le store, ça changera rien, je pense. Hein. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Essaye de te connecter, de te déconnecter et relance, me dit Carole. Bonsoir Carole. Comment ça de me déconnecter? Qu'est-ce que tu veux dire par déconnecter? Parce que logiquement. Attends, comment on voit les trucs comme ça d'ailleurs? Ah, sortie récente. Pas ça. Comment est-ce qu'on se déconnecte? C'est peut-être relatif au net. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de par là de le lancer? Ah! 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 C'est une galerie d'images. Yes. Yes, yes, yes. C'est une galerie d'images. C'est génial. Eh ben, je crois que ça déconne chez Nintendo. J'ai déjà le jeu depuis ce matin et le jeu plante complet. Boutique pas mise à jour, etc. Ah yes, on adore. On adore, on adore, on adore. Ouvre un autre jeu puis Animal Crossing. Je pense pas que ce soit lié, très honnêtement, hein, mais Ah! Eh ben voilà. Bon, bah minuit 5. Ils ont eu 5 minutes de retard. 5 minutes de retard. Allez, ça va, ça va, ça va. On va dire. Attendez, on va voir si maintenant in-game. In-game ça marche, mais on va voir ça. Pendant ce temps, je réponds. On est parti, mesdames, messieurs.
Ah, vous me direz si le son est assez fort ou si je le monte, hein. Vous me direz ça. Bien le bonsoir, nous t'attendions avec impatience, on trépignait. Tout d'abord, félicitations. Tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule Évasion Île Déserte de Nook Inc. Merci beaucoup, Nat, c'est très gentil. Mais chaque chose en son temps. Laisse-nous faire la présentation. Je suis Mélie de Nook Inc. Et je suis Mélo. Parfait, on est parti. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage. On va faire un bon bout de chemin ensemble. Alors, on va faire le début du jeu ensemble. Ce début de... Enfin, cette fin de soirée. Tout d'abord, je tourne œil à ton inscription. Il nous faudrait ton nom et ta date de naissance. C'est important. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop. On va mettre Tifano, hein. On va pas faire le... pas faire le chichi. Bah alors, ma date de naissance, malheureusement, je n'aurai pas de cadeau, hein. Parce que je pense pas que j'y joue encore cet été. Pour ceux qui ne savent pas, mon... Moi, c'est un... c'est pendant l'été. Alors, bah, on va quand même le mettre. Yes. Voilà, si vous voulez me faire un cadeau, vous savez. Ok, c'est bien, vas-y, continuons. Sifano, Sifano, voyons voir. Oh, oui, te voilà. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi. Quoi? Oh, t'en fais pas. Prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous t'attendrons, tu es fini, on bouge pas d'ici. Quoi? Villageois, villageoise. Bah, villageois. Ah, je vais faire ma tête, ça y est. Je fais ma tête directement. Ok. Alors attendez, parce que je sens que... Oh là 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 là. Attendez, j'ai que ça en coiffure. J'ai vraiment que ça en coiffure. Merci beaucoup Nat qui a fait un don. Et Shina également qui dit premier don que je fais. Bon courage pour ton live. Je découvre Animal Crossing avec toi. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Bon, déjà on va se faire... châtain. Y a pas châtain? Qu'est-ce qui correspond le plus à châtain d'après vous? Ça, hein. J'aurais dit quelque chose comme ça. Et par contre la coupe waouh 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 wow. La coupe c'est pas ça. Bah écoutez, on va mettre ça pour l'instant. Pour l'instant on est vraiment le on est vraiment le mi de base, hein. Les yeux. Qu'est-ce qu'on se met comme yeux? Ça fait rentrer Minecraft ça. Ah c'est pas mal. En vrai. Ça c'est drôle ça. J'aime bien celui-là. Ou celui-là. Non, celui-là. Ah, je sais pas. Couleur d'œil, voilà. Ah, et celui-là, celui-là. On fait vraiment le mi un petit peu classique. Hop. Et on va lui mettre un beau petit sourire. Non, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Merci beaucoup, Laurine. C'est ouf, je commence le jeu en même temps que toi. Merci beaucoup. Et les joues, on va éviter de se... Hein, voilà. Ça te convient comme ça? Ça me convient. On changera plus tard, de toute façon. Donc, ça me convient. Parfait. Eh bien, je crois que tout est prêt, oui, tout. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez-toi, où tu vas habiter. Très bien. Attendez, je check vite fait quelque chose en même temps. Hop, voilà, très bien. Tu vois, on n'est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Oh oui. En fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où je veux en venir, c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Un conseil, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Oui, oui, les mêmes. Alors dis-moi, Sifano. Où habites-tu en ce moment? Là, maintenant? Eh bien, j'habite en Europe. Pinomal qui nous fait un don, qui dit « Enfin, moi, je vais attendre le téléchargement en 5 heures. » Bon courage, je l'avais installé avant, justement. Ah, excellent. En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Il reste plusieurs choses à finaliser, mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici? Oui, peut-être qu'on aura la neige, du coup. Mais alors, du coup, ça veut dire... Question toute bête, mais ça veut dire qu'on va... On a vraiment choisi notre design, cette fois. C'est pas en mode... on te pose des questions, et puis ta tête peut changer. Parfait. Nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont, pour ainsi dire, vierges. Alors ne te soucie ni de la place ni des commodités. Il n'y a pas de mauvais choix. Ça, non. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Ok, je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Très bien. Alors, laquelle est sympathique? Laquelle est sympa? En vrai, j'aime bien celle-ci avec la petite, le petit camp au bord de plage. Puisque je crois que notre maison sera à côté du camp. Donc ça voudrait dire qu'on sera en bord de mer. Donc j'aime bien celle-ci. Honnêtement, elle a l'air plutôt sympathique avec les montagnes en haut, le petit fleuve qui passe comme ça en triple. Moi j'aime bien celle-là, franchement je pense qu'on va partir sur celle-ci. De toute façon ça changera pas grand-chose. Quelle merveilleuse décision! Il nous tarde de te la montrer, on a hâte. Une dernière question juste avant de partir. Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte, ouais, qu'est-ce que tu choisirais? Oui, hein quoi?
Un sac de couchage, une lampe, de la nourriture, de quoi m'occuper. En vrai. Qu'est-ce qu'on emporterait? De la bouffe, hein. C'est-à-dire, on va pas faire. S'il faut dormir par terre, faut dormir par terre, mais faut se nourrir, quoi. En vrai, les gars, la bouffe, hein. Je pense. Hein. Moi, je pense qu'on va dire la bouffe directement. On met la bouffe. Je sais pas du tout ce que ça va déterminer, mais on met la bouffe. Intéressant, très intéressant. Oh! Désolé, c'était juste une question sans arrière-pensée. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Inc. Oui. Alors, est-ce qu'on est bon? Votre attention, s'il vous plaît, voici un message d'intérêt public. Le vol affrété pour la formule évasion île désert de Nook est prêt à l'embarquement. Très bien. Les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Yes! Ah, ça tombe à point nommé. Allons-y, il est l'heure d'embarquer. On va monter dans l'avion. Merci beaucoup Valentin qui nous fait un don, qui dit yo, ça fait depuis SCTM que je te suis, voire peut-être plus. GG pour ton évolution de ouf. Merci beaucoup. Merci, merci, merci Valentin. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton don. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir pris place à bord de ce vol affrété par Nook Inc. pour notre formule Évasion île déserte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte. Ouais. Alors. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on vient d'arriver? Non, c'est pas encore nous. Tellement cool. Tellement cool, tellement cool, tellement cool. Alors, on nous souhaitait la bienvenue. Alors, au niveau du format, j'en avais pas parlé. On va voir comment ça va se passer. Là, c'est un live d'ouverture. Peut-être que derrière, ce sera des lives. Peut-être que ce sera des vidéos. Je sais pas du tout pendant combien de temps on va faire ça. Ce sera pas vraiment un let's play à proprement parler parce que c'est Animal Crossing. Donc, ce sera peut-être pendant une semaine sur la chaîne, tous les jours. Peut-être pendant 2 semaines, peut-être pendant un mois. Je sais pas. On va adapter le format. Il y aura peut-être des lives, il y aura peut-être des vidéos. On va voir un petit peu comment on va adapter ça. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Alors, on est parti. Tellement reposant comme jeu. Je suis d'accord. Bien évidemment que ce sera en rediffusion dans la nuit dès que le traitement sera terminé sur la chaîne, comme d'habitude. Alors, on est en train d'arriver. Alors déjà, il fait jour, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il fait jour, on va voir. En tout cas, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, les amis. Vous êtes assez nombreux, c'est cool. Franchement, vu l'heure, je pense pas que vous soyez autant. Donc franchement, merci beaucoup, les amis. On va découvrir tout ça ensemble. On a une tête. Nous y voilà. Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île. Mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Nous ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour un rapide séminaire d'initiation sur la place. Notre chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours. Vous ne voulez sûrement pas rater ça. Nous y allons de ce pas, vous n'avez qu'à suivre. Ah, ok, très bien. On est parti. Allez, on est parti. Je peux sprinter, donc les amis, donc on y est. Alors, voyons voir un petit peu avant. Capture effectuée, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Pour l'instant, je peux pas ouvrir forcément tous les menus. On regarde un peu, ça c'est la capture d'écran. Là, impossible de sauvegarder pour le moment. Très bien. Allez, on est parti. On y va, on y va, on y va, on y va. On peut déjà faire tomber des trucs. Yes, on commence, on commence. On s'en fout, on commence. On commence, je peux pas récupérer. Je peux pas récupérer pour l'instant. Ils m'ont rien appris, je peux pas. Bon, très bien, c'est pas grave. Allons sur la place. Alors. Le jeu est beau. Très bien. Est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Wendy. Pouli. Et enfin Siphano. Parfait. Nous sommes au complet. Je vous passe la main, monsieur Nook. Nos trois aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Oui, parfait. Bon, par où commencer? Oui, bien sûr, bienvenue. Bienvenue sur notre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président de Nook Inc. Oui. Aujourd'hui marque le début de notre nouvelle vie sur cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations. Mais n'en oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion île déserte. Hein? Ainsi, le personnel de Nook Inc. sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Vous ne m'entendez pas beaucoup? Ah, dites-moi si au niveau du son on est bon, n'hésitez pas, mais il me semble que oui. Dites-moi, comme ça au moins on est. Dites-moi, comme ça au moins on est sûr. Mais normalement nous sommes bons. Hein. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, très bien. Mais chaque chose en son temps. Oui.
Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement à lui seul. Moi, c'est good niveau son, son nickel, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, bon, parfait. C'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie. Voyez les choses en grand. J'ai des relations dans les domaines de la construction, de l'habitat. Ah, mais je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente, hein? Récupérez votre tente auprès de Mélie ou Mélo et placez-le ensuite à l'emplacement de votre choix. Très bien. Donc cet emplacement va être hyper important parce que je sais pas si on pourra le déplacer ensuite. Donc ça va être méga important. Tiens, Sifano, cette tente est à présent la tienne. Hop. Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, appuie sur X pour ouvrir ton inventaire. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir ta tente pour la poser au sol. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras avoir le résultat final avant de prendre ta décision. Garde en tête qu'il te faut assez de place pour être à l'aise chez toi, alors ne te précipite pas. Oh, je ferais mieux de te donner une carte. Très bien. Hop. Alors, une fois que tu auras monté ta tente, reviens nous voir. C'est là que la carte pourrait être utile. Allez, au travail. Bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. Ok, donc... Alors on a la carte, je peux l'ouvrir comment? Je peux l'ouvrir pas comme ça. La carte, je peux l'ouvrir comment? Donc j'ai ma tente qui est là. Je peux toujours pas récupérer ça. Hein. Comment est-ce que j'ai un moyen d'ouvrir la carte? Ah, je crois que la carte, c'est quand on bouge plus. Yes, c'est ça. Ok. Alors, où est-ce qu'on se met? Mesdames, messieurs, où est-ce qu'on se met? Où est-ce qu'on se met? Bonjour, toi. On peut te parler? Yo, moi c'est Pouli, tu t'appelles Sifano? Ravi de te rencontrer. Alors d'ailleurs, vous remarquerez que le début est scripté, il fait jour, hein, alors qu'on est minuit. Hein. Ravi de te rencontrer. Alors, t'as trouvé une bonne place où installer ta tente? Moi, je cherche un coin au plus près de la nature pour bien entraîner mon corps et mon esprit. Bouyaka. Très bien. Pas de soucis. Je sais pas si je peux le... Si je peux le choper, si je peux récupérer les trucs, j'ai l'impression que je peux... Oui, alors je vois quelqu'un qui parle d'Instant Gaming. Effectivement, hein, n'oubliez pas, je suis en partenariat avec Instant Gaming. Et si jamais, eh bien, le jeu est disponible moins cher là-bas. Donc si vous souhaitez vous le prendre, eh bien franchement, voilà. Passez par mon lien Instant Gaming, c'est dans la description. C'est plutôt cool. Alors, est-ce qu'on se met là? Je sais pas, est-ce qu'on se met... Là, on est peut-être trop proche de la plage. En vrai, j'ai envie de me mettre genre là, tu vois. Bon, il faudra débroussailler un peu. Mais là, on est assez proche de la plage, pas trop non plus. Moi, j'ai envie de me mettre là, pile poil là, tu vois. On va la prendre, on va la choisir. Construire ici, ouais. Tu veux monter ta tente ici? Imaginons, vas-y, imagine. Fais voir pour voir. Bah, c'est très bien. Cet emplacement te convient? Moi, ça me semble très bien. C'est parfait. Allez. Parfait. Notre maison est posée. Ça y est, tu as monté ta tente. C'est un premier pas important pour débuter ta nouvelle vie. Ok, et alors du coup, est-ce que je peux rentrer? Tom Nook a encore besoin de toi, reviens plus tard. Ok, on va aller voir Tom Nook. On n'est pas très très loin normalement. Ouais, ça va, on est vraiment à côté. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi? Ah, Sifano. Je conclue ta mine. Tu es le premier, les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal. Oui, mais moi j'ai trouvé un emplacement pour ma tente. Tu sais, je crois qu'il serait ravi de bénéficier de l'aide de quelqu'un ayant déjà exploré les lieux. Oui, oui. Ok. Et bah du coup, on va, dans ce cas, aller leur parler un petit peu, c'est ça? Tout simplement? Faut aller parler un petit peu aux gens? Je pense. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Si je parle à Mélie Mélo, il se passe quoi? Tu es le premier, les autres doivent être encore à la recherche du coin idéal. Bon, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On va aller parler. Alors, est-ce que je peux t'aider? T'as déjà installé ta tente, Sif? Moi, je cherche encore l'endroit idéal. Mon truc, c'est les exercices de cardio. Alors, je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. Tu en penses quoi? Moi, ça va, oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est aussi ton avis? Eh ben, dans ce cas, voyons voir ensemble ce que ça donnerait. Alors, si j'installais ma tente ici... Vas-y. Bah, ce serait une tente... Oh, elle est jolie, la sienne! Elle est jolie, ça serait plutôt chouette, hein? Bah, ouais. Oui, 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 oui. Carrément. Super! Hop. Ah, ça me fait vraiment plaisir de te l'entendre dire. Alors c'est décidé, je revendique cette parcelle de terrain au nom du sport. Parfait, au nom du sport. J'avais vraiment du mal à décider où monter ma tente. Merci, tu m'as tiré d'affaire comme un champion. Tiens, je me demande comment s'en sort Wendy. Si ça se trouve, elle a autant de mal à se décider que moi. Tu devrais aller voir si elle a besoin d'aide. Bah Wendy, elle est où, Wendy? Elle doit être de l'autre côté, je suppose. J'ai des pêches. Bah moi j'ai des... Attends, qu'est-ce que j'ai eu, moi? Moi c'est des poires, visiblement. J'ai eu des poires. Alors... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Attends, tu dois être... Me dis pas, Sifano, tu vois, pas besoin de me dire. Moi, c'est Wendy. Et je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île. T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines, pas vrai? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal. Mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. J'allais pas gamberger sur la question pendant 107 ans, alors j'ai balancé une caillasse au hasard. Oui, il y a des veaux dans le chat.
On dit coucou à Devo. Elle est tombée ici. Alors, boum, je m'installe. T'en dis quoi? C'est pas trop chelou comme système? Non, ça va, ça va. Bon, franchement, ils se placent où ils veulent. Hein. Sérieux? Les chouilles. Alors ça, c'est bizarre, par contre. C'est bizarre. Eh bien, puisqu'on est sur la même longueur d'onde, on va gamberger ensemble, si je m'installe ici. Il y a des gens qui ont des cerises, visiblement. Pas mal, hein? Oui, c'est très bien. Mais leurs tentes sont plus stylées que la mienne. Hein. Super, à partir de maintenant, ce sera plus un coin paumé sur une île, ce sera ma turne rien qu'à moi. Ma turne. Très bien. Allez, pourquoi pas. T'aurais pas pu trouver un meilleur endroit. Merci. Attends, t'es en train de me dire que t'as aussi filé un coup de patte à Sgus pour planter sa tente? T'as le cœur sur la patte, toi? Je vais pas te baratiner, à la base j'avais un peu les jetons qu'on soit pas assez nombreux. Mais avec toi dans les parages, je crois que je vais pouvoir roupiller sur mes deux oreilles. Oh, les autres doivent nous attendre. Faut qu'on se bouge pour aller sur la place. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Alors, ah, il commence à faire nuit. Rebonjour, j'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, oui oui. À savoir une grande fête sur la place pour pendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Mais il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel. Hein. Et puisque nous vivrons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons. Alors là c'est le début, il y a beaucoup de... c'est le tuto, machin, après on sera beaucoup plus libre, on pourra discuter et tout. Du coup tu as des poires, je voulais voir si les fruits étaient aléatoires. Bah visiblement c'est aléatoire, il y a quelqu'un dans le chat aussi qui a du... qui a des cerises. Voyons. Mélie, Wendy, Mello et Pouli s'occuperont des préparatifs sur place. Mais si tu as des pêches ça m'intéresse aussi. Alors, tandis que Sylvano et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que des menus victuailles. De menus victuailles. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire. Alors au travail. Peux-tu venir me voir un instant? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi tout. Bien. Je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire. Tu en trouveras un peu partout sur l'île. Quand tu en vois une qui traîne, appuie sur Y. Ouais, très bien. De mon côté, je vais examiner un peu ces simili-poires. Je serais qu'à moitié surpris si c'en était des vrais. Ok, bon, on est parti. On va récupérer un petit peu de ça. Donc, je peux, en même temps, voilà, je peux récupérer mes poires si j'ai envie. Bon, en vrai, ça ne sert pas à grand-chose de prendre les poires, mais vous m'avez compris. On va récupérer donc les petites branches. Il en a dit une dizaine. On prend 10. Hop. Et comme ça on se balle. Alors pour le moment, si je dis pas de bêtises, hein, c'est en tout cas dans la démo que j'avais fait, voilà. Vous voyez, regardez, en bas, attendez, on va attendre que ça se réaffiche. En bas, on peut voir qu'en fait, je ne suis que sur une partie de l'île en fait, puisqu'il n'y a aucun pont, donc je ne peux pas traverser le fleuve. Donc pour l'instant, je suis juste bloqué dans cet endroit. Pour l'instant, ça va très vite changer, parce que j'aurai très vite le bâton qui me permettra de passer. Mais voilà, pour l'instant, on est un petit peu confiné, hein, on est bien dans le thème, sur cette petite île. Donc voilà, alors on est à, comment est-ce que je vois là-dessus? On est à 7, on a ça, on a des mauvaises herbes, bon je prends des pierres pour l'instant, mais évidemment qu'on jartera ça plus tard. Tu vas donner ton code ami? Je ne pense pas, très honnêtement, parce que sinon je vais, enfin seulement à mes potes quoi, mais sinon je vais être un petit peu harcelé de demandes et tout, donc je préfère pas pour l'instant. Voilà, j'ai pas récupéré ce qu'il fallait. Je suis à combien? Je suis à 10, je crois, 12, ça devrait faire l'affaire, on va aller le voir. Alors, est-ce qu'on est bon, monsieur? Bien, bien, bien. Tu as récupéré toutes les branches d'arbres. Oh, mais tu en as même plus qu'il n'en faut. Je n'en prendrai que 10, n'abusons pas des bonnes choses. Mais laisse-moi te débarrasser. Tiens, vas-y, prends-moi tout ça. Tu as appelé comment ton île? Bah, pour l'instant... je n'ai pas de nom d'île. Est-ce qu'il était censé me demander le nom de mon île pour l'instant ou pas? Je sais pas, dites-moi, les amis, où c'est après? Je sais, ça va être juste après. Ah. Très bien. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp. Tu n'as pas traîné, non? J'ai de la chance de partager cette île désolée avec un travailleur aussi acharné. Oh, oh. À propos de survie sur une île désolée, passons à notre mission suivante. Trouver des vivres. Pendant que tu rassemblais les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblent pousser en abondance ici. Ils ressemblent à des poires, ont une odeur de poire et ont même le goût de poire. J'en conclus qu'il s'agit à 100% et sans l'ombre d'un doute d'authentiques poires. Incroyable. Ça t'ennuierait-il d'en cueillir 6 pour moi? Ça, non? J'en suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Je vais quand même me permettre une brève explication. Repère un arbre, lalalala, bon, ça on connaît. Tu en cueilleras des tonnes en un rien de temps. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, hop. On va récupérer, surtout qu'on a déjà, 3, il me semble. Donc on est bien. Hop. Normalement, on est déjà bon. Alors, tiens. Bien, je savais que tu étais le cueilleur de la situation. Merci encore. Viens, laisse-moi te débarrasser de ces poires et commençons à les préparer. Voilà mes poires. J'aime bien. Franchement, pour l'instant, c'est guidé. J'aime bien. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, voyons, le Conti y est. Oui. Que la fête commence. Il va allumer le feu de camp. Il va allumer le feu de camp. Yes. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur notre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant. Oui. Alors, il y a un truc, dès qu'on pourra se balader partout, il faut qu'on cherche la fameuse tombe, qui est sûrement celle de Tortimer, mais il faut qu'on cherche cette fameuse tombe qu'on a vue dans les trailers. Je suis en train d'y penser, là. Un défi pour l'homme d'affaires est également pour l'aventurier. Bon, nous n'atteignons pas les chiffres que j'escomptais, mais qu'à cela ne tienne, le défi n'en est que plus électrisant. Et je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va... Mais, peut-on encore parler d'île déserte? Alors comment conviendrait-il de l'appeler? Alors, je vois plein de gens qui proposent des noms dans les commentaires, mais alors j'avais déjà annoncé le nom que je voulais donner à cette île, hein, les amis. Hein. J'ai déjà le nom depuis longtemps. Ne manquons pas cette opportunité. En tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser. Et dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Laissons en décider la majorité. Alors creusez-vous les méninges, et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangerons nos idées. Bah, c'est bon. Donc, nous allons l'appeler, moi je l'avais déjà dit parce que j'aime beaucoup ce nom et je trouve que ça va très très bien à Animal Crossing en fait. C'est marrant mais je trouve, ça a beau être un nom de Zelda, je trouve que ça passe hyper bien à Animal Crossing, donc nous allons l'appeler Cocolint, comme dans Link's Awakening. Bien, tout le monde est prêt. Et si tout le monde énonçait son idée en même temps? Prêt, c'est parti. Perpète les flots, Costoville, Tanukil et l'autre j'ai pas vu ce que c'était. Mélopolis, quelle charmante idée, oui. Toutes plus séduisantes les unes que les autres. Bien, passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré. Siphano m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi son idée. Commençons par là. Donc Siphano propose... Cocolint. Ça a intérêt à être pris pour moi, hein, je vous le dis. Si j'ai Muscleville, là, je vais rager. Regardez-moi ce triomphe. Tout le monde applaudit des deux pattes. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Cocolint. Ben, voilà. Formidable, ok, ça déchire, c'est trop fort. Parfait. Désormais, cette île portera donc le nom de Cocolint. Alors, je vois que ça va, ça vous plaît à peu près dans le chat, donc je suis content. Merci beaucoup Valentin pour ton don. Pour être plus précis, le premier FK en novembre 2012. Tu m'as suivi le premier FK en novembre 2012, j'avais 14 ans, maintenant j'en ai 21. Bonjour et bonne soirée. Merci beaucoup Valentin, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Dis-moi Siphano, puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Cocolint, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Oui, j'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire de Cocolint. Peut-être tout le monde qui applaudit. Tout le monde qui va applaudir. En tant que nouveau porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux? Un mot ou deux. Allez, on est un petit drôle. On est un petit marrant. Oh, c'est si drôle, ils applaudissent tous. Bon. On a donné un nom à notre île et on a aussi notre délégué insulaire. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui. Ouais, je troll. Mais il se fait... Attention, on va faire un truc dans le chat, je vais faire un défi dans le chat. À chaque fois que les habitants applaudissent, vous écrivez clap clap dans le chat. Vous applaudissez dans le chat à chaque fois parce que je sens qu'on va se faire beaucoup applaudir, ça va être drôle. Et les modos vont devenir fous. Donc c'est parfait. Il se fait tard, il est l'heure de porter un toast. Tout le monde a quelque chose à boire? Dégustez ce délicieux jus de poire produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Mais foin de longs discours à Cocolint et au bonheur de ses résidents. Ah, il y a Monsieur Magic Knob, bonsoir. Santé! Parfait. Bon, à partir de là, je pense que ça y est, on va être un peu plus libre. Voilà, regardez-moi ça. Hey, il joue. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Se retrouver comme ça autour d'un feu de camp, ça y est, je pense que le tuto, le début est un peu fini. Ça donne l'impression d'être en vacances. Bouyaka! Très bien. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? On vient juste de faire connaissance, mais se retrouver là à faire cramer un feu de camp tous ensemble, j'ai l'impression de retrouver une vieille bande de potes, les chouilles. Très bien. Cocolint. Ce nom est super et est sur le point d'entrer dans la légende. Merci de l'avoir suggéré au groupe. Mais il n'y a pas de souci. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, Sif, tout va bien pour toi, hein? Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Je déborde d'énergie, pour l'instant on va se balader encore un peu. C'est ce que je constate, tu ne ménages pas tes efforts ni pour travailler ni pour t'amuser. Passe me voir avant de te coucher s'il te plaît, j'ai quelque chose pour toi. Ah, il a quelque chose pour moi, très bien. On va explorer un peu, on va pouvoir laisser ce feu de camp se consumer tranquillement. Si tu es fatigué, n'hésite pas à aller te reposer dans ta tente. Bon mais avant cela, nous avons quelque chose pour toi, va donc en parler au président. Oui, alors attends, est-ce que je peux rentrer déjà là-dedans? Pour l'instant je peux pas rentrer là-dedans, ce sera le lendemain je pense. Ah. Non, je peux pas. Oh, je suis navré, c'est temps de servir de bureau des résidents, mais elle n'est pas tout à fait prête. C'est bon, les claps, vous pouvez vous arrêter, les claps. Ok. On peut allumer le camp, apparemment. Non, très bien. Alors, est-ce que je peux commencer à crafter des choses ou pas? Non. Je veux juste voir si je peux explorer ma tente
maintenant ou si ça va juste me proposer de dormir. Tu devrais parler à Tonou. Ok, donc on va aller se coucher pour l'instant. Et comme ça ensuite on sera bon. Le fait de pouvoir sprinter, c'est tellement la vie. Alors qu'est-ce que tu veux? Ah, tout va bien pour toi. Je sais que tu as beaucoup à faire. On s'occupera du feu, sois tranquille. J'ai sommeil. Très bien. Mais d'abord tu vas avoir besoin de ça. Ah, un lit, un matelas. C'est ton lit de camping personnel. Il suffit de le déplier dans ta tente et c'est parti pour le dodo. Tu trouveras aussi quelques paquets dans la dite tente. Des bricoles qui pourraient être utiles. Pour les ouvrir et utiliser les objets qu'ils contiennent, il te faudra appuyer sur A. Quand tu seras décidé à rejoindre les pattes de Morphée, glisse-toi dans le lit. Très bien. Merci Sirogar. Qui fait clap clap. Merci beaucoup Sirogar. Demain sera à nouveau une longue journée, alors tâche de bientôt reposer cette nuit. Je n'ai plus rien à dire aujourd'hui, non? À part bien sûr, faites beau rêve, Sifano. Très bien. On est parti, on va dormir. On est parti. On va dodo. Alors est-ce qu'on peut rentrer? Oui! On dirait que le perso fait un Naruto run. Un petit peu, j'avoue. J'avoue qu'il y a un style. Alors, déjà on a des choses. Bon, c'est tout petit pour l'instant. On a une petite radio. Pour l'instant. Et là ici on a. Très bien. Alors je peux pas les. Si je peux les récupérer. Si je veux. Donc on va organiser un petit peu tout ça. Le lit. Le lit de camping placé. Alors le lit de camping on va. Ah, je peux pas le placer autrement. J'ai pas moyen de passer en mode construction. Peut-être pas tout de suite. Hein. C'est peut-être plus tard ça. On va le placer là comme ça. Voilà ici. Ici on va se mettre notre petite lanterne. On va la placer. Voilà. Et en vrai on va se mettre notre petite radio dans un coin ici là. Il n'y a pas assez de place. Ah mince. Il n'y a pas assez de place. Ici on va se la mettre ici je pense la petite radio. Hop, radio portable placée. Voilà. Et je peux pas la pousser un peu genre. Non je peux pas. Ok bon on va la mettre comme ça. Hop, histoire de bien. Alors on aménage un petit peu notre maison quand même. Je peux pas la. Si je pouvais. Bon c'est pas grave. Allez allons ici pour l'instant. Allons dormir. Ok. On réaménagera ça plus tard. Voudrez-vous te reposer un petit moment? Je me repose. Comme tes paupières sont lourdes. Et on est parti. Le jeu me donne trop envie de jouer. Franchement, il est cool. Franchement, il est très, 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 très cool. Merci beaucoup, Kylian, pour ton don. Animal Crossing sur C'est mon enfance. Ah bah voilà, ça doit te rappeler des souvenirs dans ce cas. Ah, Kéké. Kéké qui est là. Alors comme ça, tu traces la route, tu mets les voiles et le cap sur l'aventure. T'as raison sur toute la ligne, le monde est fait pour être exploré, la vie est synonyme de liberté. Merci Justin, coucou Sif, je suis trop hype, je reçois mon jeu demain. Merci beaucoup Justin, c'est gentil, merci beaucoup. Après, croisant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyageur peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route, un nouveau visage à chaque virage, y'a que le premier pote qui coûte. Avec quelques copains dans le baluche, tu partiras à l'esprit serein vers tous les horizons. Oh, je bavarde, faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. Mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains. Après, tu ouvriras les yeux tout grand. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur. Mais sans amis, c'est juste du vent. Y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Quand tu te réveilleras, il sera la même heure que dans la vraie vie. Ah, voilà, ça y est. On se revoit bientôt. En attendant, le jour se lève. Enfin, la nuit, du coup, pour nous. Alors, lève-toi aussi et va vivre tes rêves. C'est parti. Bon, du coup, il va faire nuit hein, pour cette session. Mais ce n'est pas grave. Alors. Ça y est. Sif, tu es là? Non, j'espère que je ne te réveille pas trop brutalement. Il fallait que je te parle de quelque chose. Oui, prépare-toi, je t'attends. Vas-y, on arrive. On arrive. La tombe dans le trailer, c'est un objet de déco. Oh merde, tristesse. Oh, on a du courrier et il fait nuit. Ah, te voilà, j'espère que la sieste était agréable. Enfin, en guise de sieste, je crois que t'as fait le tour du cadran. Oui, oui. J'ai tellement dormi. Oh, 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 certes. Qui ne serait pas épuisé après un tel voyage? Et à l'aube d'un tel changement de vie? À ce sujet, je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre coin de paradis. Commençons par ce petit bijou de technologie. Qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui, mon iPhone. Voici ton Nook Phone personnel, excusez-moi. Un appareil spécialement conçu pour les heureux habitants de l'île. Très bien. Ah, j'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer, s'il te plaît? Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est bon. Bienvenue. Voilà, et là, ça nous permet d'avoir toutes les quêtes et tout. Enfin, ça va être un... Oui, oui, il marche parfaitement. Bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc. Bien, tu peux le ranger à présent.
La batterie, ça change de la réalité au moins. Mais je vais peut-être être un peu vite en besogne. As-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? Bon, on va lui dire non, jamais, comme ça il nous réexplique tout. Vraiment? Bah si je peux me permettre, tu m'as l'air fait pour le quotidien rustique de la vie insulaire. Cependant, ce Nookphone te rendra de fiers services, alors je ne peux que t'encourager à l'apprivoiser. Un dernier détail. Qu'est-ce que c'est? C'est ta facture, oui. Ah, génial. Donc, le billet d'avion, le logement, la main-d'œuvre, les taxes et bien entendu le Nookphone. Hein. Ce qui nous fait un total dérisoire. Ouf. 49 800 clochettes. Ah! De quoi? Pardon. Oh, elle est bien bonne, Stefano. Ça fait mal un peu. Oh, mais c'est pas une blague, oui, bien sûr. Comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper? Vois-tu, les clochettes sont une monnaie permettant d'acheter bien et service à Cocolite. Mais voilà qui ne résout en rien le fait que tu sois totalement dépourvu. Ah, je sais. On va travailler. Ne t'en fais pas. J'étais préparé à cette éventualité. Tu as la possibilité de régler ta facture évasion en miles plutôt qu'en clochette. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé programme Miles Nook. Très bien. Les miles de Nook. Donc ça, c'est le truc que j'avais vu pendant la review. Une invention révolutionnaire, si je puis me permettre. Grâce au programme Miles Nook, tu engranges des miles rien qu'en menant ta vie à Cocolite. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules de précieux miles Nook. Tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation et bien d'autres choses. Bref, pour ces frais, il te faudrait débourser 49 800 clochettes, mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5000 miles. Je vais t'inscrire au programme, comme ça tu me paieras en miles, d'accord? Allez, très bien, on fait ça. Mais tu n'en sauras plus en consultant ton Nookphone. Ouais, en fait, on a des miles en faisant des quêtes, etc. Donc, c'est assez bien. Il te suffit d'ouvrir l'appli Miles Nook pour découvrir ce que tu as obtenu de miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. Maintenant, si tu ne m'en veux pas, je dois me replonger dans les lourdes tâches qui sont les miennes. Non, sans t'avoir chaleureusement félicité pour ton emménagement à Cocolite, bien sûr. Il me fait mal à la gorge à force de parler, lui. C'est une grande joie de t'avoir sur l'île parmi nous et d'accueillir un nouveau client chez Nook Inc. Alors la question, c'est est-ce que la boutique va être ouverte? Là, maintenant. Ah, je veux des clap-clap. Attention, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Youpi! Très bien. Ok, alors... A partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoulera à la même vitesse que dans le monde réel. Ne touche pas au bouton Power si tu vois l'indicateur de sauvegarde automatique en haut à droite. Quand tu veux arrêter de jouer, tu peux aussi appuyer sur moins pour sauvegarder et quitter la partie. Ok. Alors, déjà on va récupérer ça et ensuite on va regarder le Nookphone. Nintendo. Merci d'avoir téléchargé la mise à jour. J'ai un cadeau dans la poche. Ok. Et là, j'ai des cadeaux. Tu veux voir les cadeaux un peu? Ouvrir, c'est quoi un cadeau? Une Nintendo Switch, waouh! Et là, c'est un jeu Animal Crossing? Établi de bricolage simple. Ah, alors attends. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, si je peux les mettre. Regardons si on peut les mettre. Marie, elle arrivera après, vous inquiétez pas. Alors, déjà, la Nintendo Switch, on va la poser ici. Yes! On va la mettre là comme ça. Et alors par contre l'établi. Apprendre. C'est un plan de bricolage, comment le mémoriser? Ok, ça faudra faire ça près du truc. Alors, je veux juste voir un truc. Est-ce que c'est ouvert à cette heure là? Parce que ça c'est important mine. Est-ce que c'est ouvert ou pas? Parce que les habitants doivent dormir, je suppose. Ça doit être l'heure de dormir, ok. Donc voilà, c'est le problème à lancer à cette heure là le jeu. En revanche, yes c'est ouvert ça je crois. Oui, ok, donc on va pouvoir quand même jouer, ça va, parfait. Parfait, parfait, on va pouvoir quand même jouer, on va pouvoir faire les quêtes et tout. En fait, les quêtes, ça rallonge tellement la durée de vie. C'est incroyable. Alors. Ah, Sif. Bonjour. Comme tu le constates, c'est plutôt douillet là-dedans. Ce qui ne veut pas forcément dire confortable. N'hésite pas si tu as des questions sur les activités que propose l'île, ou sur quoi que ce soit. Hein. Si tu as besoin de conseils à propos des ressources de base de l'île, demande à Mélie. Il t'aidera à te procurer de quoi couler des jours heureux dans notre petit coin de paradis. Et si tu as dans l'idée de récupérer quelques clochettes, il achète à peu près tout. Ouais, mais je ne changerai pas l'heure de la Switch. Donc c'est pour ça, justement. Là. Mais là, ça va, au final, on va pouvoir jouer. Profites-en. C'est une approche discutable sur le plan des affaires, mais fort généreuse, oui. Un dernier détail qui a son importance. Je propose un atelier de bricolage gratuit afin d'aider les arrivants à bâtir leur bonheur insulaire. J'ai la faiblesse d'espérer qu'il est très utile. Alors je compte sur toi pour en profiter. Très bien. Alors là, on a le truc des miles. Là, ici, on a ça. On va voir. Je vois que tu as découvert mon atelier de bricolage. L'atelier bricolage. Chaque participant fabrique son propre outil et reçoit quelques plans de bricolage. Oui, bien sûr, il y aura un replay, oui, tout à fait. De quoi grandement faciliter la vie insulaire. Puis-je t'inscrire pour la prochaine séance? Vas-y. Oui, voilà une réponse de vrai insulaire. J'ai justement un peu de temps. Alors allons-y. Parce qu'en plus, moi, j'ai eu un truc. Donc, ça pourrait être intéressant.
Bienvenue dans l'atelier bricolage. Enfin, atelier est un bien grand mot, j'espère qu'il ne t'intimide pas. De toute façon, toute appréhension sera instantanément dissipée devant la simplicité du bricolage, oui. En trois mots, il faut rassembler des matériaux, suivre un plan et travailler sur un établi tel que celui-ci. Alors nous allons fabriquer une canne à pêche à l'aide des matériaux ordinaires faciles à dénicher. D'après le plan, seules 5 branches d'arbres sont nécessaires. J'ai bien dit que c'était facile à dénicher. C'est ce qu'il te reste à faire. Hein. Reviens me voir quand tu auras rassemblé les matériaux. Bon, très bien. Donc là, c'est vraiment les trucs de base. Ça, c'est pour les miles. Comment ai-je pu oublier ? Bien entendu que je te parle un peu de ce terminal. Je te présente le Nookstop. On fait tout ça, comme ça au moins on sera bien après. Il te fournira de nombreux services qui te faciliteront la vie sur l'île. Il propose pour le moment deux services. D'abord Nook Shopping, un service de commande d'objets pouvant s'avérer difficile à dénicher. Ensuite, il fait office de distributeur automatique de clochettes pour la banque Nook. Nous envisageons également d'y adjoindre un service d'échange de miles Nook à l'avenir. Ah, pour l'instant, on peut pas. J'espère que tu profiteras bien de ces merveilleuses fonctions. Il y a de quoi faire, oui. Ok. Bienvenue. Dadadadada. Accéder au Nook. Te fait gagner. Quel service souhaites-tu utiliser? Par exemple, le Nook Shopping. Voilà, donc là, on a un petit peu tous les trucs qu'on peut acheter, machin et tout, voilà, avec les clochettes. Et ensuite, on a... ça. Utiliser le DAC. Merci beaucoup, Karian. Ah, donc, je peux déposer des clochettes. Ouais, bon, très bien. Ok. Merci beaucoup, Karlan. Merci beaucoup. Quel service souhaites-tu utiliser? On est bon. Très bien. Et on a un dernier truc que je veux voir, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut aussi que je te parle un peu de cette boîte. Il s'agit d'une boîte de recyclage dont tous les résidents de l'île sont invités à faire usage. On y entrepose les éléments qu'on doit retirer durant un chantier ou ce genre de choses. Si tu aperçois quelque chose qui te fait envie, sers-toi-en pour faire... sans faire de chichi. Traîne pas les objets les plus anciens, passe à la trappe. Voilà, donc c'est pour se déstocker un peu des trucs. Quel objet veux-tu emporter? Une boîte en carton? Non, c'est bon, merci. Une branche d'arbre, oui. Ok, très bien. Alors je suis très curieux d'un truc, moi, c'est juste ça là. Apprendre, je peux l'apprendre ici? Comment le mémoriser? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut que je le fasse? Il faut 5 branches. Ouais, ouais. Ah, pour l'instant, je peux pas aller comme je veux au truc. Ok. Alors, on va aller faire ça. On va juste donc regarder le faune, parce que c'est clairement l'ajout incroyable. C'est beaucoup trop bien, le faune, vous allez voir. Si je vais là, alors j'ai l'appareil photo, on s'en fout. Motif personnalisé, donc ça, c'est pour... tu peux créer des motifs pour tes vêtements. Il te suffit de regarder les motifs, application. Ok. Genre. Ouais, on peut changer comme ça. Bon, c'est pas ouf, mais... ah, c'est pas ouf. On va le... Ah, je suis obligé de le garder. Ah, qu'est-ce qui se passe si je mets ça? Waouh. Incroyable. On est dégueulasse. Bon, on va mettre ce truc, la papier peint lierre. Hein, parce que pour le coup... voilà, on va mettre ça pour l'instant. Hein. Très bien. Alors ensuite, on a la carte. Si on veut voir la carte de l'île, bon, bah, voilà... voilà, c'est bon, on a compris, voilà, bon, la carte. Ensuite, on a le passeport. Le passeport, je sais pas à quoi il sert. Les informations de ton passeport sont affichées ici. Ah, c'est ma carte. En gros, c'est... je sais. En gros, c'est... attendez. Voilà, c'est genre... ça ne dit pas ma durée de jeu, peut-être. Modifier. Photo du passeport, commentaire. Ok, 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 ok. Très bien. Et service d'aide. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est Miles Nook. Vous allez voir. Si c'est comme à l'époque, quand j'avais testé, tu rejoins le programme Miles Nook. Gagne des miles Nook en prenant part à des activités sur ton île. Ça, donc des quêtes, entre guillemets. Rends-toi ensuite au bureau des résidents pour échanger tes miles contre divers avantages. Très bien, profite de... ok. Je crois même qu'il y a des trucs au-dessus. Ah, pour l'instant, c'est pas possible au-dessus. Mais il y avait des petites quêtes au-dessus. Mais par exemple, miles de bienvenue. Donc, je les récupère. Voilà, ça me fait 500 miles. Ok, parfait. Alors, par contre, je me demande si... j'espère juste que les miles... on va... ah! Bien, génial. Il fallait bien que ce soit quelque part. Les miles, ils sont sous la cam. Bon, c'est pas grave. Et vous voyez, par exemple, il faut que je fasse de... il faut que je pêche 10 poissons. Il faut que je parle à... voilà, encourageant. Et il y a plein de trucs qui vont se mettre petit à petit. Là, en grange les mains, en capturant des bébêtes à tour de bras. Donc, c'est... enfin, c'est... je trouve ça trop bien. Je trouve ça beaucoup trop bien. Alors, pour l'instant, on est encore sur le début. Donc, il va juste falloir qu'on récupère des branches, tout ça. Hein. Évidemment. Mais... mais une fois qu'on aura nos matériaux, on sera bon. Est-ce que je peux pas? Si, je peux faire ça, mais... hop là. Une fois qu'on aura nos matériaux, on sera bon et on pourra à ce moment-là... on va aller de l'autre côté de l'île, parce que je crois qu'ici, c'est là où j'avais pris. On pourra casser de... enfin, on pourra faire de plus en plus de trucs, casser des arbres, tout ça, récupérer de plus en plus de choses, donc ce sera plutôt pratique. Regardez-moi cette chouette qui vient de se barrer, littéralement. Elle vient de se casser. Ok, il y en a là. Je me disais bien. Ok, hop, 2, 3. Donc on est à 3, parce qu'on en avait une. 4, et une petite cinquième par ici, parfait. Regardez-moi tout ce qu'il y a là. Regardez-moi tout ce qu'il y a.
Tu es sur PC? Non, pas du tout, je suis sur Switch. Je suis sur Switch. Alors, vas-y, on y va. Ouais, une fois qu'il y aura d'autres ponts et tout, ça ira mieux, bien sûr. Ouais. Alors, c'est bon, on est bon. Alors, tu as trouvé tous les matériaux? À la bonne heure. Retroussons-nous les manches et fabriquons-les, cette canne à pêche, oui. Pour commencer, utilise l'établi et sélectionne un projet. Oui, très bien. Bah, pour l'instant, j'ai que ça, donc au travail. Tout de suite. Vas-y. Ok. Bravo, tu as fabriqué une canne à pêche rudimentaire. Oui, tu as été parfait. Comme tu le vois. Et il applaudit! Il applaudit. Il suffit de disposer des plans adéquats. Et c'est sur ces motifs, gorgés de sagesse, que s'achève mon atelier bricolage gratuit. Mais avant que le rideau ne tombe définitivement, voici quelques plans de bricolage. Gratuits, eux aussi. Ok, mais les plans, c'est parfait. Je vais te les envoyer sur ton Nook Phone. Puis je te demandais de le sortir. Vas-y, 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 vas-y. Ok, on l'a reçu, on a eu le petit texto. Ok, ils sont là, les... D'accord, c'est là. Ok. Parfait, merci, j'ai installé l'appli création sur ton téléphone. Tu l'auras toujours à portée de patte. Ok. Et voilà, tu viens de fabriquer une canne à pêche rudimentaire. Elle est à toi. Elle ne durera pas éternellement. Ah oui, au début ça casse. Mais elle devrait te rendre de fiers services pendant un moment. Mais parlons peu, parlons pêche. Je ne suis pas un expert, mais je peux peut-être te prodiguer des conseils. Insiste, je suggère. Ouais, bon, ça, je sais faire. Ah, la faune locale me passionne. Très bien. Est-ce que je peux aller là-dedans maintenant? Si tu utilisais l'établi, oui. Au travail. Alors, pour l'instant, voilà. Je peux faire un feu de camp. Ah, faites voir ça, les outils. Le mobilier, fabrication possible et favori. Ok. Alors ça, par exemple, il me faut quoi? Ah ouais, par contre, la cam est vraiment pas au bon endroit, merde. C'est relou. 2 sur 3 branches d'arbres, ok. Donc il va m'en falloir une. Et ça va coûter combien de branches d'arbres aussi? Ça va me coûter. Ok, donc on va se balader et puis on va chercher des choses, mais on va essayer de faire ça. Je bougerai la cam pour la prochaine fois. Je vais peut-être même la bouger maintenant, en fait, je pense. Comme ça, au moins, on sera bon. On va voir. Déjà, on a la canne à pêche. Regardez-moi ça. Elle est là. Pense en équipe. Et on va pouvoir les pêcher tout de suite. On va pouvoir les pêcher tout de suite. Alors, tout en récupérant des branches d'arbres comme ici. Voilà, par exemple, ici. On les prend, hein, comme ça on pourra construire des choses. En même temps. De toute façon, je pense que là, il faut juste que je construise un petit peu les autres trucs. Et on va essayer de pêcher un petit peu. Alors, attention, mesdames, messieurs. On a des coquillages. Je sais pas si je peux vendre mes clochettes pour l'instant. Enfin, vendre mes objets pour avoir des clochettes. Je sais pas du tout. Attention, notre première pêche. Putain, l'eau, elle est belle. Hein. Et... Nous avons. Ouh. Une belle prise. Tu as pris un bar commun. Les fameux bar communs, on s'en souvient. Dans ton inventaire, tu as un habit, c'est vrai? J'ai une tenue dans mon inventaire. Ah, ma tenue! Oui, j'ai remis mon pull du début. Parfait. Ok. Et donc, techniquement, là, regardez. Si je vais là. Oh, déjà, on a des trucs en plus. Voilà, les collections. Nook, machin. Après, c'est des trucs qui se font tout seuls, mais typiquement, si je vois là, 1 sur 10, vous voyez, donc c'est des espèces de petites quêtes comme ça. Et il me semblait que j'avais aussi des quêtes un peu infinies, mais c'est plus tard. Donc c'est parfait. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle île. C'est beau. Donc, ouais, je sais pas si pour l'instant je peux avoir. Oh, là, un poisson. Je ne sais pas si pour l'instant je peux avoir une. Des clochettes. Bon, on pêche! Ok, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une vandoise. Très bien. Magnifique. Bon, dans tous les cas, moi je cherche des branches d'arbres là. Parce qu'il va m'en falloir. Il va m'en falloir. Donc il faut qu'on trouve des branches d'arbres, mesdames, messieurs. Est-ce que vous pensez qu'il en reste quelque part? Je sais pas si. Est-ce que je peux secouer ça pour avoir des branches? Oh! Attendez, déjà j'ai le Nook Phone qui fait du. Ah oui, déjà on a la création. Un suivant. Ok. Il y en a un que je peux. Je peux le fabriquer de là. Ah non, mais ça me dit combien j'ai. Parfait, 5. Ok. Ouais, secoue les arbres pour avoir des branches, je pense, ouais. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, on va secouer des arbres pour avoir des branches. Yes, parfait. Comme ça, on va essayer de lui crafter ces deux trucs. Et on sera bon ensuite. Toprak qui nous fait un don. Salut Sif, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup Toprak, c'est très gentil. Merci à toi pour ton don. Ça soutient énormément la chaîne, merci infiniment. Ça fait très 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 plaisir. Ah, regardez, elle est dehors, elle. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Merci encore pour l'autre fois, j'ai pu monter ma tente, y a pas eu de lézard. La brochure causait d'île déserte, alors je me suis plutôt préparé pour la grande vie de naufragé. Mais je suis bien joyeuse d'avoir une célébrité comme toi sous la patte. Fais-moi signe si je peux aider.
Ah ouais, je me demandais comment te remercier. Puis j'ai décidé de t'offrir un plan de feuilles à pluie. D'accord. Très bien. Quand je me suis pointé ici, je me suis dit, waouh, ça manque pas de mauvaises herbes dans le coin. D'où l'idée de t'offrir ça. C'est un plan de bricolage pour lequel il faut pas lésiner sur la mauvaise herbe. Il n'y a pas plus abondant que de la mauvaise herbe. Oui, mais alors du coup, autant en profiter. Très bien. Vous êtes bien aimable. Mais du coup, en fait, comment est-ce que je valide le plan? Donc ce plan-là. Apprendre. Ah, dans le Nook Phone, très bien. Ok, maintenant qu'on a mis l'appli, on sait. Un feuille à pluie, d'accord. Du coup, je peux faire pareil avec l'autre. Pour établi de bricolage simple. Ah, d'accord. Super, tu sais à présent fabriquer un établi de bricolage simple. Ok, on est bon. Alors, retournons crafter tout ça. Histoire d'être bien, mesdames, messieurs. Merci beaucoup à Damien qui a fait un don également, merci infiniment. Merci beaucoup à toutes les personnes qui font des dons, qui laissent des pouces bleus également. Vous avez été très nombreux à rejoindre le, eh bien les membres soutien également. Je rappelle que si vous voulez me soutenir, avoir les vidéos en avance, avoir un petit badge dans le chat, les emojis et tout, ça ne coûte que 1€. Il y a un petit lien dans la description, donc voilà, si jamais. Ça soutient énormément à chaque fois, donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait tout à l'heure et à ceux qui le font. Alors, on va réaliser... Ah oui, alors j'ai ça aussi, feuille à pluie, si je veux. Mais alors, attends, on va déjà réaliser le feu de camp. Il m'a pas forcément dit de le faire, mais je vais voir. Je vais aller voir Méli et Mélo pour les clochettes, ouais, c'est possible. Je vais voir. Bravo, tu as fabriqué un feu de camp. Bricoler autre chose, on va bricoler autre chose. On va bricoler autre chose, on va bricoler ceci. Parfait. Ah, le jeu est vraiment très très beau. Ok, tu as fabriqué un filet rudimentaire. Alors, est-ce que je peux bricoler autre chose ou pas? Établi. Alors là, par contre, ça va nous demander voilà, une pépite de fer. Donc ça, pour l'instant, je ne pourrai pas. Et ça, ça va me demander de la mauvaise herbe. Ok, bon, on va récupérer de la mauvaise herbe. Très bien. Très, 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 très bien. Alors, on va aller poser tout ça. Ah, il fallait que je parle à Méli Mélo. Montre ton poisson à Tom Nook avant. Ok, attendez. Oh, je vais faire ça, alors. Je vais montrer mon poisson à Tom Nook. On va voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être à Méli Mélo aussi, je sais pas. Comment est-ce que je lui montre mon poisson? On va lui parler. Alors. Ah, bonjour, bonjour. En quoi puis-je t'être utile? J'ai trouvé une créature. Oh, remarquable. Mais admirons ce spécimen de plus près. Alors, tiens. Prends mon bar commun, là. Voilà. Tiens, regarde. Oh, remarquable capture. Oui, nous avons là un superbe spécimen de bar commun. Merci, Damien. Je m'appelle Baptiste, pas Damien. Ah, mais je sais pas, tu t'appelles Damien sur ton truc, sur ton pseudo. Mais j'adore ce que tu fais, continue. Hâte de recevoir le jeu. Merci beaucoup. Alors... Si cette île abrite un bar commun, qui sait quelles autres créatures fantastiques elle recèle par ailleurs? Écoute, je viens d'avoir une idée. J'ai un vieil ami conservateur de musée. Ah, et du coup, il va le faire venir. Et je suppute qu'il serait ravi d'examiner cette découverte. Qu'en dis-tu? Accepterais-tu de la soumettre à son avis d'expert? Bah d'accord. Merci Ironic Popcorn, juste pour voir comment ça marche. Et bon live. Bah, merci beaucoup Ironic Popcorn, c'est très gentil, merci beaucoup. Je te promets de prendre grand soin de ce magnifique bar commun. Ok. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le généreux don que tu viens de me faire, mais j'ai une appli fort utile à te montrer. Ouais, ok. Montre-moi. Montre-moi, montre-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah, c'est le bestiaire, la bébé. Bébétopédie. Je t'ai envoyé la bébétopédie. Elle te sera d'une aide précieuse au chercheur en herbe que tu es. Cette simple appli te donnera tous les détails sur les insectes et poissons que tu attrapes. Oui. Continue à le remplir en multipliant les découvertes. Et en me le montrant, bien entendu. Je ne serais guère étonné que cela te doive une récompense supplémentaire de ma part. Très bien, très bien. Alors toi là, Méli Mélo là. Bienvenue, oui. Toi tu n'es pas du genre à perdre du temps. On est encore en train de s'installer mais on a quand même quelques articles pour nos résidents. On n'a pas encore beaucoup de place, on va essayer de renouveler notre stock tous les jours. Je dois être très occupé mais jette quand même un œil à ce que nous proposons. Je vais jeter un œil. Formidable. Bah ça coûte 1300 clochettes. C'est bien gentil mais j'ai pas la... J'ai pas... Est-ce que quelque chose t'a tapé dans l'œil? Ouais merci, ça ira. On ne fait pas que vendre. On achète aussi un peu tout. Ah voilà. Nous voulons que cet endroit te donnera même quelques clochettes si tu ramasses les mauvaises herbes et les détritus. Parfait. Si tu veux savoir quels articles on rachète, il suffit de demander. Ben en fait, je veux te vendre des trucs. Tu veux quelque chose de spécial? Non merde, c'était achète-moi des trucs, merde. C'était l'inverse. Bon, il vend un barbuck. Hein. Il vend un barbuck quand même, attention. Tu as changé d'avis, vas-y, attends. Je veux te vendre des trucs, moi. On va commencer à avoir nos clochettes, les amis. Achète-moi des trucs. Alors par contre, du coup, ce qu'on va faire, on va le faire tout de suite. On va grouper ça. Hop. Et les amis, nous allons, je pense, déplacer la caméra. Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors attendez, si je lui vends ça, par exemple. Ça. Les poires, on peut lui vendre pour l'instant. Les cailloux, les branches. Ça.
Ok, voyons voir. Combien ça fait? Tu as apporté beaucoup de choses cette fois. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Bon, ça fait très peu. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 1240 clochettes. Ouais, vas-y. Marché conclu. Et donc, je suppose qu'elles sont... Voilà, ici. Donc, je vais baisser la cam comme ça, les amis. Comme ça, au moins, vous aurez à chaque fois les trucs. Je voulais voir, en fait, où ça se mettait. Comme ça, on est bon. Alors, avant que j'oublie, je voulais te dire quelque chose à propos du fruit que tu viens de me vendre. Quoi, il fallait pas... Mais les poires repoussent sur les arbres, vous inquiétez pas. En mangeant un de ces fruits, là c'est que des trucs ultra basiques que j'ai vendus. Tu sentiras une force rare te parcourir. Quelqu'un t'en a déjà parlé? Bah non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le bon outil, tu pourrais bien être capable de briser des rochers ou déterrer des arbres. Libre à toi de vendre des fruits, mais je te conseille quand même d'en manger de temps en temps. D'accord, ok. Ah bah oui, c'est bon à savoir ça. Et toi, je peux te parler, tu sers à quoi toi? Sif, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on s'est amusé autour du feu de camp? On passe la nuit ici, n'hésite pas à passer si tu poses la moindre question sur notre île. Et pendant la journée, je serai dehors à m'assurer du bien-être de tous et à répondre à leurs besoins. Si jamais tu as un doute sur ce que tu veux ou ce que tu dois faire, viens discuter avec moi. Très bien. Merci Damien. Bon live, j'y suis, c'est cool. PS, look mon mail. Merci beaucoup Damien, j'espère que tu vas bien. Ouais, ok, je regarderai ton mail après, y a pas de souci. Pas ou demain, peut-être selon l'heure à laquelle j'arrête live, mais je regarde ça très vite. Merci beaucoup. Du coup, alors attendez, j'ai un truc avec le Nook Phone. Alors, donc vous voyez, il y avait une petite pastille rouge. Regardez, attendez. Vous voyez, il y a une petite pastille rouge en haut à gauche de l'icône, donc ça veut dire que j'ai des trucs à récupérer. Logiquement. Logiquement, ça veut dire que j'ai des trucs. Voilà, seconde moins, récupérer. On récupère ça. Et du coup, ça me fait des nooks en plus. Parfait. J'en ai d'autres ou pas? Vous avez vu tout ce qu'il y a? Je veux dire, c'est énorme. Et on va récupérer ça. Parfait. Ok. Alors, ce qu'on va aller faire déjà, c'est qu'on va. Déjà, il faut que. J'arrache les mauvaises herbes, ce qu'il va m'en falloir pour crafter les choses. Il a dit que les poires me permettaient de péter les rochers. Si je mange une poire, ça peut parfois me donner un truc. C'est un peu pété, non? Si tu envoies du courrier aux autres habitants avec des fruits, tu as plus de chances qu'ils te renvoient une lettre avec des fruits aussi. Et pas forcément ceux de ton île. Ah, bien ça. Après, je me les échangerai peut-être avec mes potes, je sais pas. Je vais voir. Il n'y a pas des choses à pêcher, je rate. En passant, s'il n'y a pas un petit poisson qui traîne. Si, il y a un poisson qui traîne. Dans tous les cas, je pense que pour l'instant, tout ce qui n'est pas rare et tout comme ça, je vais le revendre, les amis, pour l'instant, pour me faire des clochettes, acheter des trucs et tout. Hein. Merde, alors ça par contre, j'ai été un petit peu trop rapide. Je pense que pour l'instant... Oh! Moi, je ne peux pas. Pour l'instant, je vais le revendre et tout ça, mais ensuite, d'ailleurs, logiquement, si je ne dis pas de conneries... Mais maintenant, j'ai le filet aussi. J'ai plein de choses. Ouais, pour l'instant, j'ai pas les outils nécessaires. Bon, bah, très bien. Alors, attendez, on va retourner dans notre... Est-ce qu'on va dans notre maison ou est-ce qu'on lui vend des choses? Je sais pas. Je crois que tu as accès à une île sans avoir besoin de tes amis. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Mais bon. Alors, voyons voir ici. Est-ce que je peux poser un peu plus de choses ici? Parce que ici, maintenant, j'ai la tapisserie. Est-ce que ça marche ici? Eh oui, malheureusement. Et le feu de camp, je vais le poser dehors. Alors, je me demande. Pour l'instant, j'ai pas genre de coffre-fort ou quoi. Ce serait bien qu'on ait un petit coffre. Ça pourrait être sympa. Alors, je rappelle qu'on peut poser des choses dehors dans ce jeu. Et c'est ça qui est trop bien. Donc on va poser le feu de camp ici. Et on va l'allumer. Je peux pas l'allumer? Yes, voilà. Ça fait un peu plus... un peu plus mieux, quoi. Très clairement. Donc retournons voir Tom Nook. Pour l'instant, on est assez... Oh, non. Trop tard. Il y avait un petit papillon à choper. Mais dans tous les cas... En tous les cas, je vais secouer les arbres, tout ça. On va continuer de construire ce qu'on peut. Pour le moment. Je pouvais construire un truc, je crois. Hop, vas-y, au travail. Qu'est-ce que je peux... Je peux réaliser ça. Ok. Un feuille à pluie. Qu'est-ce que c'est un feuille à pluie? C'est un parapluie tout simplement. Un parapluie en feuille. Ouais, c'est ça. J'ai fabriqué un feuille à pluie. Bon, très bien. Et arrêtez pour l'instant. Et du coup, maintenant. Alors, maintenant, pour avoir plus de. Je pose la question. Pour améliorer l'établi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer l'établi? Est-ce qu'il faut que je récupère des choses? Est-ce qu'il faut que. Vous voyez, je sais pas ça. Attends, on va s'équiper de ça pour l'instant. Hop. On va voir si je peux pas récupérer quelques petits insectes. Je suis en train de me dire parce que j'ai vu un papillon tout à l'heure. Donc il y a peut-être des petits insectes quelque part. Si on en voit, ça pourrait être le moment. Alors la chouette, on va éviter de l'attraper quand même. Hop, 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 hop. Mais ouais, je sais pas, je sais plus comment. Tu n'améliores pas l'établi, tu apprends de nouvelles recettes. Oui, mais ce que je veux dire c'est. Ah bah, bonjour Genio d'ailleurs. Je suis d'accord Genio, mais ce que je veux dire c'est comment. J'apprends ces nouvelles recettes. Est-ce qu'il faut que je fasse des quêtes? Est-ce que tu vois? En fait, c'est ça la question que je me pose. Parce que je sais que
Là pour l'instant on a eu ça, pour le coup là je vois pas de papillon donc ça va être compliqué à choper. Ah bah tiens si là-bas. Ok on l'a eu. On va aller lui vendre des trucs je pense. Super. Tu as attrapé un papillon de nuit. Ok. On va aller lui vendre un petit peu ce qu'on a. Tu vas voir. Soit Amélie, soit Mélo. En soi le parapluie ne sert à rien, mais comme maintenant tu as beaucoup plus de place dans l'inventaire, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas en soi. Je vais aller lui vendre des choses un petit peu. Bienvenue, que puis-je faire pour toi? Achète-moi quelque chose. Alors, tu vas m'acheter ça, ça et ça. Voir un petit peu. Ouais, je peux secouer les arbres pour avoir des clochettes, c'est vrai, mais bon. Voyons voir. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 440 clochettes. Donc c'est pas ouf, en effet. Je sais pas ce qui rapporte le plus. Qu'est-ce qui nous a donné 1400 tout à l'heure? C'était les branches, c'était juste... Donne les poissons et insectes à Nook. Ouais, on l'a fait un petit peu, mais... Pour l'instant, c'était juste pour avoir des clochettes, mais... La question que je me pose, voilà, c'est... là, par exemple, si je veux continuer un petit peu d'améliorer pour avoir d'autres choses... Enfin, apprendre des nouvelles recettes... je sais pas trop comment... Est-ce que je peux faire pour le moment? Est-ce qu'il faut que je donne les trucs à Nook? Peut-être, oui, effectivement. Attendez, regardez, il y a les poissons, là. On va récupérer les poissons. Les coquillages roses, ça donne. Ah ouais, les coquillages. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Hop, on va lui donner ça. Après, il faudrait qu'on voit aussi les quêtes. Ça se trouve, on a des quêtes toutes bêtes. Et qui me permettront d'avoir d'avoir des trucs. La suite avec Tom Nook, c'est en donnant des poissons et des insectes. Ah bon, bah très bien, alors, dans ce cas. Dans ce cas, on va faire ça. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est... Alors, j'ai pas l'habitude de ce nouveau... J'ai vraiment l'impression qu'il est dans l'eau alors que pas du tout. Là non, il y a des coins par là aussi qu'on n'a pas trop exploré. Non. Vas-y, viens. Eh, on a quelqu'un là-bas. Elle se balade. On peut pas nager. On ne peut pas nager, on ne peut pas nager. Vas-y, viens. Tu l'as vu là, tu l'as vu. C'est bon, il l'a vu. Il l'a vu. Normalement, il l'a vu. Faut pas exagérer. C'est bon, il l'a vu. C'est bon. En fait, le bruit... Quand ça descend dans l'eau, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Une loge d'étang. Alors écoutez, on va faire un petit tour de l'île et voir un petit peu ce qu'on peut attraper, tout simplement. Ah, il y a tellement de choses que j'ai envie de creuser là-bas. Ça donne envie. Et ensuite, on va les donner à Nook, hein, clairement. What? Pourquoi il a fui? Peut-être parce que j'ai pas vu. Alors oui, je suis passé en caméra en mode. Je peux faire ça et ça comme ça. Ok, on peut changer la caméra si jamais... Très bien, parce que là je voyais plus du tout, il a bouffé mon appât et il s'est cassé. Ah, j'avoue que ça peut être pas mal pour quand on pêche ou quoi comme ça, ça peut être vraiment pas mal de se balader comme ça. Faut que tu donnes aussi les poissons à Nook. Ça permet de faire venir Thibaut. La nuit il n'y a pas tous les insectes. Ah j'imagine. Hein. J'imagine. L'encyclopédie, tu notes les insectes que tu as attrapés pour savoir où ils apparaissent la nuit. Ouais, après on a l'encyclopédie, effectivement, on a les Miles Nook. J'ai été trop lent. Damien, le musée est aussi bon objectif, il est hyper lent. Ah bah ouais, ça c'est clair, le musée est hyper lent. On va se concentrer un peu pour les poissons. Ça serait bien, vas-y, viens. Chaque fois j'ai l'impression d'être trop lent, tu sais, c'est terrible. Ah super, une boîte de conserve. On adore. Une boîte vide. On adore. On pourrait réutiliser cette boîte vide pour autre chose. Ah oui. Ça m'a donné une idée de plan de bricolage. Mais elle est où là? Elle est dans le machin. Regarde. Ça a donné une idée de plan de bricolage. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Tu peux faire un pot de fleurs. Tu peux faire un pot de fleurs avec, c'est beaucoup trop mignon. J'aime trop. Hop, allez, vas-y, on va choper le poisson. On est un peu trop loin. J'ai une araignée qui m'a piqué. Ouf. Vous avez de ces gars. Ah ouais, je suis vraiment trop lent là-dessus. Hein. Oh, c'est terrible. Faut vraiment être... J'avais oublié à quel point il fallait être rapide sur ces trucs. La vieillesse, que voulez-vous. Et là, on en a plus trop par là, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, mais là, je suis bête, mais on a un ponton, carrément. Est-ce que là, je peux pas pêcher? Non. Visiblement pas. Et là, d'ici... Je regarde si en même temps... Voilà, les petits coquillages, là. Ça rapporte pas mal, ça, en général. Ça rapporte pas mal. Attends, on va se mettre comme ça. Ça me permet de bien voir un petit peu s'il n'y a pas des... S'il n'y a pas des choses. On a fait un petit tour là de l'île. Ah bah regardez, il y a encore un poisson qui est revenu par ici. On va aller le choper. Ce serait bien de lui amener quelques trucs quand même. Ok, il y en a un autre plus haut. Pas une petite boîte de conserve. Voilà, plusieurs espèces différentes. Une bouvière. Parfait, tu vas aller voir la tombe. Bah on verra, mais je pense que pour l'instant, par rapport à l'endroit où je suis, je ne peux pas en fait. C'est pas ici que je pourrais, c'est plus loin.
Vas-y. Et voilà, ça commence à venir. Une loge des temps. Et comme ça, celle qu'on aura déjà donnée, bah, on n'aura pas besoin. Merci Arceus, qui nous dit bisous. Merci beaucoup Arceus, c'est très gentil. Je n'ai jamais joué à Animal Crossing, je fais bien de commencer par celui-là. Bah en vrai, oui, je pense. En vrai, je pense, parce qu'il est très complet, c'est le tout dernier en date, et t'as pas besoin d'avoir fait les autres, donc ça me paraît très 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 bien. Oh, c'est un bar, non? Ouais, c'est un bar. Merci Baptiste, j'ai changé de nom. Tu comptes faire un let's play? Merci beaucoup Baptiste. Comme je disais, en fait, je vais... Un let's play, à proprement parler, c'est compliqué parce que c'est un jeu qui est totalement infini, en fait. Mais je vais vous en faire pendant plusieurs jours, semaines, au début, quoi. Après, on verra au bout d'un moment, mais on va essayer de bien se développer, ouais, carrément. Et j'ai appuyé trop tard. Trop tôt, plutôt. Bon, déjà, on a quelques trucs, je pense qu'on va les amener à Tom Nook. Très certainement, on a déjà pas mal de petites choses. Peut-être qu'il faut lui amener quand même des insectes, je me rends pas compte. Les insectes, c'est vrai que je rate pas trop, on termine de se faire ce petit tour là. Nous, puis il va faire clap. Ah bah oui, clairement. Attention, on y va. On le chope directement. Oh, on l'a celui-là? Je suis pas sûr. C'est un goujon, non? Un carassin. Très bien. Après 5 heures de jeu, j'ai eu une recette par un habitant, puis une recette en récupérant un objet en pêchant. Ok, ah donc ça veut dire que la démo sur laquelle j'ai joué était sûrement bien plus avancée que ce que je pensais. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, c'est un jeu qui requiert de la patience. Ah oui, alors d'ailleurs, c'est possible, c'est ça que je l'avais pas précisé, mais c'est possible que je joue sans vous parfois. Enfin, parce que pour se développer, machin et tout, c'est pas impossible du tout que je joue de mon côté, hein. De toute façon, c'est un jeu. Et je trouve que ça correspond bien finalement à ce jeu, parce que c'est quand même un jeu où tu. C'est un simulateur de vie, quoi. C'est, tu vis, donc. Des fois, il y aura des choses qui seront faites de mon côté, puis je vous montrerai. Pas des choses folles, mais genre farmer un peu d'argent, machin, peut-être. On verra. Là, on est sur le début, c'est la soirée de lancement, c'est pour ça. Tu as pris une limande. C'est bien, on a quelques trucs sympas là. Oh! Ah bah voilà, la canne à pêche, elle vient de péter. Ta fidèle canne à pêche rudimentaire vient de te lâcher. Allez, parfait. Du coup, dans ce cas, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, Miles, on a pêché 10 poissons? Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on a pêché 10 poissons? Ah non, la casse. Ok, on va récupérer ça. 300 nooks en plus. Ok, mange une poire pour pouvoir casser un rocher. Mais tu penses? On m'a dit que la poire c'était après, alors attendez. Alors, parce que si j'ai un minerai, ça pourrait m'intéresser. On va essayer de manger une poire pour voir ce que ça fait effectivement. On va aller à côté du gros rocher qu'il y a là. Non. Hop. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Mangeons une poire pour voir. Hop, en manger une. Vas-y. Ok, une sur 10. Il faut en manger 10, je me rends pas compte. Parce que là, il y a... te faut une pelle, non. Mais je sais pas, ils ont dit que je pouvais les casser. T'as pas de hache pour le moment. Faut une pelle pour le rocher. Bah ouais, non, voilà. Ok, va la tente bleue, elle est allumée. La tente bleue est allumée. Ah, on va aller voir ça. Futur moi, salut Sif, mon premier don pour toi, hâte de le tester. Merci beaucoup! C'est très gentil, merci beaucoup. Effectivement, elle est allumée, on va rentrer. Alors, on va y voir ça. Bonjour. Salut les chouilles, c'est sympa d'être passé. On papote. J'ai posé mes valoches ici sur un coup de tête et je crois que j'ai voyagé un peu léger niveau clochette. Quand on m'a dit île déserte, je pensais même pas avoir besoin de fraîche. Il me faut un plan. Paraîtrait qu'on peut se faire des ronds en vendant des fruits, des herbes et ce genre de trucs, Amélie. Ouais, refourgueuse itinérante de bidules et de machin. Ça, c'est un métier d'avenir, les chouilles. Ok, très bien. Bon, voilà ce qu'elle nous sort. Il fallait prendre le petit bout. Quel petit bout? Ouais, il faut une hache ou une pelle, c'est pour ça. Donc pour l'instant, on va aller donner les trucs à Tom Nook. Par contre, je sais pas pourquoi en haut, il y a écrit 2 sur 10. Est-ce que c'est pour une quête? Est-ce qu'il... Bon, après, ça coûte rien d'essayer d'en manger 10 pour voir ce que ça fait, mais... Alors... Vas-y, viens. Tiens, j'ai des trucs à te montrer. J'ai attrapé des espèces. Bonjour. En quoi puis-je être utile? J'ai trouvé une créature. Remarquable. Admirons ce spécimen de plus près. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je peux pas lui montrer? Je sais pas. Tiens, vas-y, prends ma loge des temps. Ouais, c'est une quête. Très bien. Remarquable capture, oui. Nous avons là un superbe spécimen de loge des temps. Y a-t-il un inconvénient à ce que j'envoie également cette splendide créature? Non, vas-y, 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 vas-y. C'est la barre qui décroîtra à chaque rocher ou arbre planté. Quelle barre? Tiens, au fait, est-ce que tu as profité de mon établi? Oui, bien sûr. Tu m'envoies ravi, t'aurais déjà l'impression qu'on avance. D'ailleurs, il me semblait bien t'avoir vu y farfouiller une fois ou l'autre. Continue comme ça.
Au fait, je voulais partager plus de plans de bricolage avec toi. Ah voilà, parfait, c'était juste ça qu'il fallait faire. Au moins que ça, on aura un petit peu découvert l'île. Alors, on est bon. On est bon. Je t'ai envoyé quelques plans de bricolage nécessitant du bois, et notamment pour faire une hache. Parfait, oui. Je crois qu'un tel outil pourrait s'avérer fort utile par ici. Après tout, il y a tant de choses en bois sur cette île. J'espère que tu m'apporteras d'autres trouvailles. Ok, vas-y. Voyons voir. Et si tu utilises l'établi, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour la hache, il nous faut quoi? Pour la hache, il nous faut... branche. Attends, non, bah, alors c'est le problème, la cam, à chaque fois, elle bloque. Branche et une pierre. Bon, ça va, c'est facile. C'est facile, c'est facile. Donc, on va se focus sur la hache tout de suite. Je me fixe pas de rythme hein, pour le coup pour Animal Crossing. On verra, mais je. Une sur 10, c'est quand tu déterres un arbre ou que tu casses des pierres. D'accord, ok, je vois. ZL d'ailleurs, il me montre. Ah, j'ai encore des trucs ici? Ah, bah oui. Bricolection. Parfait. T'as gagné un titre. Et comme ça, on augmente nos miles, hein, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va essayer de récupérer des branches. Ça pourrait être pas mal. Bon, il m'en faut 5. Hop. Directement, on va faire ça. On en a qu'une pour l'instant, il me semble. Mais franchement, alors qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant du jeu, les amis? Maintenant, ça fait un petit moment, ça fait 1 heure qu'on est en live là. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? De ce que vous en voyez? Ah, je l'ai pas récupéré, je vais aller la prendre. Oh, des clochettes. Moi, pour l'instant, je suis conquis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent Animal Crossing? Vraie question, est-ce qu'il y a des gens qui découvrent la licence? Ah bah oui, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure. Donc je pense que oui. Ah, pour récupérer des clochettes. C'est 100 à chaque fois, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, on va aller secouer un peu derrière. Et de toute façon, il nous faut un rocher. Yes! Génial, attention! Vite, planque-toi! Ah oui, non, les nids d'abeilles, on va éviter. Hein. La pierre, tu peux l'avoir en prenant les petits bouts à côté des pierres. Non mais c'est pour ça. C'est pour ça, on va faire ça. On va faire ça, vous inquiétez pas. Moi, je découvre pas, mais j'ai jamais joué. Total découverte, oui. Ah, il y a pas mal de gens qui découvrent. Hein. Intéressant. Hop, génial. Putain. Je suis maudit ou pas? Suis-je maudit? Le terrible Animal Crossing 3DS. Attendez, on va faire un truc d'ailleurs, maintenant qu'on en est là. On va faire un truc. Hop. On va la manger. On va augmenter... je pense qu'on va essayer de faire cette quête, comme ça au moins. Au moins, on sera bien. La non-chance. Ouais, je crois que là... On s'en est pris 2 d'affilée. Pas de ouf. Ah, par contre, il y a des trucs. Ah, mais attends, par contre. Hé. Je peux les prendre maintenant. Je peux les prendre. Alors, on va récupérer des fruits. Hop. Comme ça, on fera la quête directement. Et après, une fois que j'aurai la pelle, je pourrai replanter des arbres et tout. Donc, ça va aller assez vite. Hop. Est-ce que j'ai une dernière truc là? Non. Ici non plus. Ici. Non plus, bah décidément. Ici non plus. On va aller là pour prendre nos derniers fruits. Hop, ah, et on n'a pas de pierre ici. Non. Ce sera de l'autre côté, je crois qu'on a une pierre. Je peux capturer les abeilles. Ouais, mais c'est pas un peu risqué? On peut essayer, hein, mais. N'est-ce pas un peu risqué? Je sais pas. Je pose la question. Voilà, on a notre truc là. Je la prends. Une pierre, et il me faut une dernière branche, il me semble. Ce serait bien qu'on trouve la dernière. Yes. Oh, oh! Tenez-moi des clochettes. Les ruches, ça coûte 3000. Ah ouais, oh, je vais les vendre immédiatement. Si c'est vraiment 3000 clochettes la truc, c'est trop bien. On va essayer de voir. Par contre, vraiment, est-ce que j'ai secoué tous les trucs, toutes les branches? Combien j'ai de branches? J'en ai 4, il m'en manque une. C'est terrible. Non mais attendez, c'est horrible. J'en ai plus. Est-ce que je peux aller dormir si jamais... Attends, regardez, il y a une pierre en plus là. Vous pensez vraiment que j'ai fait tous les trucs, tous les coins d'arbres? Terrible, c'était... Ah, yes, voilà. Ok. Ils l'ont nerf, ça ne vaut plus rien. Ah bon? Mince, bon, on va voir. On va aller les vendre, comme ça, on va se faire une... On va voir tout de suite combien ça vaut. Ouais, après, les abeilles, t'attaquent. Alors, non, c'est pas du tout ça. Ah, viens ici. Ah, bienvenue. En vrai, je devrais prendre le carton. Peut-être ça va me donner une idée de recette, je sais pas. Achète-moi quelque chose. Ah, si on secoue les arbres longtemps, les... Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Alors, tiens. Vas-y, combien ça coûte 2 trucs comme ça? Des nids de guêpes. Alors, je te rachète ça pour 6... Ah oui, effectivement, ils l'ont nerf. Bon, après, c'est toujours 600 clochettes, mais... Mais ils l'ont bien nerf, quand même. Je vais prendre ça, finalement. Je sais pas, j'ai envie. Alors, vas-y. Est-ce que tu utilises l'établi pour bricoler? Oui, au travail.
Je veux bricoler. Oh là là, il y a tellement de choses. Regardez tout ce qu'on peut faire là, ça y est. On peut faire tellement de choses. On va prendre la hache tout de suite. Et comme ça, normalement, il va me demander d'aller prendre du... Il y a plusieurs types de bois, hein, on va pouvoir les récupérer. J'ai fabriqué une hache rudimentaire. Arrêtez pour l'instant. Ok, il est content. Bonjour, bonjour. En quoi puis-je être utile? Bah, en rien pour le moment, en fait. Finalement. Ah si, par contre, si, si, on va lui donner... Attendez. On va lui donner mes autres créatures que j'ai eues. J'ai trouvé une créature. Oui, c'est mieux que rien, non, carrément, carrément, carrément. Alors, tiens, j'ai ça pour toi, la bouvière. Alors, l'auge des temps, je lui ai déjà donné, mais il me propose de lui redonner. J'ai l'impression. Nous avons là un superbe spécimen de bouvière. Y a-t-il un inconvénient? Non, vas-y, 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 vas-y. Envoie-lui. Merci, Caléo Junior. Tellement de souvenirs avec ce jeu. Merci beaucoup pour ton don, c'est adorable, merci beaucoup. J'ai une véritable récompense pour toi cette fois-ci. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs? Un sac de jacinthe rouge. Ouais, elles sont jaunes, hein, sur le sac. Je dis ça, je dis rien. Il s'agit d'un échantillon de nos produits. Oui, il te suffit de les planter, de patienter quelques jours et tu verras éclore de jolies fleurs sous tes yeux ébahis. Essaye, tu m'en diras des nouvelles. Et si tu es satisfait, n'hésite pas à repasser pour en acheter davantage. Après, tout ce qui est build et tout, ça c'est beaucoup plus tard dans le jeu, hein, ce que j'ai compris. Ok, j'espère que tu m'apporteras d'autres trouvailles. Ça fait partie des joies de la vie insulaire, oui. Ok, bah tiens, vas-y, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. En quoi puis-je t'être utile? J'ai trouvé, on va lui donner, hein. Notre créature, nous allons également l'examiner. Alors, ça, je lui ai déjà donné, on est d'accord. On va lui donner le bar. Les guettes coûtent cher, il me semble. Ok, je vais essayer de les capturer, on va voir ça. Là, tu as un inconvénient. Non, vas-y, 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 vas-y. Si tu me donnes des trucs à chaque fois, je dis oui, hein. On se développe petit à petit, je te promets de prendre grand soin de ce magnifique bar. Tu te souviens de cet échantillon que je t'ai offert? Je voulais te préciser un léger détail. Il s'agit d'une variété de fleurs particulièrement robuste qu'il suffit de planter pour qu'elles poussent. Mais si en plus tu les arroses tous les jours, alors prépare-toi à voir la magie opérée. Prépare-toi à les voir proliférer, se croiser, nanana. Ok, du coup tu vas me donner un arrosoir. Il va me donner la... Il va me dire comment faire l'arrosoir. Comment les arroser, te demandes-tu facile, je t'envoie le plan. Voilà, c'est ça. Mon trésorier voit d'un mauvais oeil le fait que je distribue gratuitement ce genre de choses. T'as capturé de jolis spécimens pour moi, alors je ne fais que te renvoyer l'ascenseur insulaire. J'espère que t'as un... Donne le maximum d'animaux à Nook. On va faire ça pour l'instant. C'est dommage qu'on puisse pas peut-être tous lui donner d'un coup, ça aurait été peut-être plus... Non, je me suis trompé. Voilà, une excellente question. Ces styles hébergent bien des créatures intéressantes, je ne parle pas que de nous. Toutes sortes d'insectes et de poissons, sauf à tes cannes à pêche et à ton filet. Je serais curieux d'examiner ce que tu attraperas. Oui, très bien. Et en fait, je voulais prendre le truc d'en dessous. Hop là, vas-y. Alors. Non, on va pas live toute la nuit, hein. Non, vous inquiétez pas. Nous n'allons pas live toute la nuit du tout. Je serais curieux de voir s'il va me redire quelque chose si je lui donne quelque chose que je lui ai déjà donné. Je sais pas du tout. Ouais, le musée est toujours là, il va arriver. Je crois. Je crois qu'il va prendre grand soin de ce magnifique carassin. Il me dit quelque chose ou pas? Ouais. J'ai un appel, un instant. Ah, c'est peut-être son pote. Thibaut, c'est toi? Tu tombes à pic, oui? Bah voilà. Tu te souviens de ce projet aussi risqué qu'excitant dont je te parlais? Eh bien, c'est une excellente voie. Je me trouve actuellement sur une île que nous avons baptisée Cocolite. Oui, la faune y est aussi abondante que l'on peut l'imaginer. Je te l'avais bien dit. Combien d'espèces exactement? Malheureusement, je ne peux pas encore répondre précisément. Mais j'ai d'ores et déjà reçu, voyons, 5 remarquables spécimens. Comment? Tu es sûr? Voilà qui ouvre de fascinantes perspectives. Bon, il faut que je te laisse. Je suis avec un client. C'est bon, il va arriver, non? Ça va être ça, l'histoire? Désolé, il fallait que je réponde. C'était mon ami Thibault, le conservateur du musée. Alors, attendez, hop. Ok, attendez, j'attends un petit truc en même temps. Figure-toi qu'il va venir sur notre île pour nous aider à recenser ainsi qu'à protéger la faune locale. Bah voilà, parfait. D'ailleurs, tu auras aussi ton rôle à jouer. Ok, et qu'est-ce qu'il me donne? Toi qui connais déjà les lieux comme ta poche, pourrais-tu trouver un emplacement pour Thibaut? Garde à l'esprit que nous y bâtirons un musée d'envergure mondiale. Il faut donc un vaste terrain. Ah, quelle joie de voir cet excitant projet prendre forme. Ça va, on avance bien. On avance bien. Je vais te donner en même temps mes autres spécimens. Du coup, comme ça atterrira. Je dois faire quoi? J'ai exactement ce qu'il faut. Mon cher ami Thibaut va nous rejoindre. Ok. Bon, très bien. Bah, du coup, on peut plus lui donner pour l'instant. On peut plus lui donner pour l'instant. Alors, attendez, ce qu'on va faire tout de suite avant de poser le truc, c'est qu'on va manger tous ces trucs-là. Combien je peux en manger? En manger. Hop, alors attendez, j'accepte juste un truc sur mon téléphone en même temps. Le temps qu'on mange. Hop. Voilà, j'en prends... Merde, je les lâche. Hop. Voilà, excusez-moi, je validais une petite opération sur le téléphone en même temps. Je voudrais en manger.
En manger une. Ok. On va comme ça, on va faire la quête en même temps. J'aime trop comme il mange. Et après, on va aller poser le musée. Hop. Parfait. Parfait. Je dis bonne nuit à ma chérie. Qui va dodo. En manger un. Parfait. Et plus qu'un. Parfait. Est-ce que tu penses que tu auras débloqué l'amélioration de la tente dès ce matin ou pas? Je pense pas, non. Je pense pas. Alors, 10 sur 10. Mais alors du coup, ah ouais, attendez, 10 sur 10, on est d'accord, c'est... En fait, je pensais que c'était une quête, mais je crois que quelqu'un m'avait dit ce que c'était tout à l'heure. En fait, c'est pas une quête qu'on vient de faire, non? Déjà, on a des trucs. Ça doit être la force de casser le rocher. Ah, vous pensez? Attendez, on est bon, là. On n'a pas d'autres trucs à faire. C'est la stamina. Ah. Mais du coup, en étant à zéro, je pouvais tomber dans les pommes. Je pouvais faire quoi? Je comprends pas bien. Je comprends pas bien ce qu'on pouvait faire, en fait, en tombant... Ah, vous voyez? Je sais pas. Je pense que le musée, on va le mettre là, genre. Je pense que le musée, on va le mettre... Ah, peut-être pas au bord de l'eau, comme ça. Je pense que c'est la barre de nourriture. Ouais, peut-être. Je vais peut-être être... Je vais peut-être être un peu gros. On verra. Là, il y a un truc. Ah, attendez. Encore un truc à valider, vite fait. D'accord. Alors, attendez. Où est-ce qu'on le met? Vous avez une idée de mon problème? La stamina pour casser rochers et déplanter des arbres. Mais pour l'instant, j'ai pas assez encore. Attendez. Hop là. Je pense qu'on va le mettre... On va le mettre là-haut. On va le mettre genre par là. On paraît bien par là. Ou un peu plus haut parce que sinon après... Non, on aura les ponts un peu plus haut. Au nord. Ouais, bah regarde par rapport à la map. Ah non! Ah, quoique. J'allais dire sinon au milieu là-bas de la pique, mais... Oui, si, 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 clairement au milieu de la pique. On va le mettre là. Par là, là, genre. Genre ici. Ok, alors attendez, je valide mon truc. En même temps. Hop. Et du coup, on va poser ceci. Construire ici. Ça, c'est pas très grand. Cet endroit te convient-il? On le met là. Ici. C'est parfait. Parfait. Et du coup, normalement. Yes. Thibaut a désormais un emplacement où il va pouvoir s'installer. Attendez. C'est super. Bon, attendez. C'est génial. On a un problème avec ma chérie. On est en train de gérer un truc et on a un problème. Bon, c'est pas grave. Alors. On a construit ça. Est-ce que... Alors, par contre, il y a l'arbre devant qui nous gêne. Ici, il se dressera bientôt. Ok. Et on va revenir voir ce qu'il va nous dire. Est-ce qu'il va me dire quelque chose maintenant? Oui, c'est bon, il y a quelque chose qui se passe. Ah, je suppose que tu as trouvé un emplacement convenable pour que Thibaut s'y installe. Hein. Coupe l'arbre avec la hache. C'est vrai que j'ai la hache maintenant, c'est vrai. Oui, j'ai trouvé un endroit. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Ouais, c'est le gardien du musée, Thibaut. Je vais tout de suite dire à Thibaut qu'il peut venir poser ses valises ici dès qu'il le souhaitera. Tu viens à peine d'arriver, alors je ne veux pas t'embêter avec ces histoires. Mais je ne ferai pas la fine bouche si tu engranges les Miles Nook et que tu me rembourses rapidement. Je connais quelques techniques pour ramasser les Miles Nook à la pelle. Alors n'hésite pas à demander. Bah vas-y, dis en fait. Dis peut-être, non? En quoi puis-je t'être utile? À propos de l'emprunt. Hmm, tu veux t'acquitter de tes frais d'installation? Ça nous fera 5000 miles. En vrai, j'avoue, on est déjà à 1750. On en reparle quand tu auras quelques miles de plus au compteur. Hein. Inutile de te précipiter, non? En profit de la vie insulaire, les miles viendront en leur temps. Mais j'avoue qu'en fait, c'est... C'est méga rapide. Vous savez quoi? On va essayer de le rembourser. On va aller voir au niveau des miles. Je suis sûr... Je suis sûr que... Déjà, on a des miles à faire, là, à prendre, là. En vrai, ça va aller méga vite. Hop. Voilà, parfait. J'attends en même temps le truc. Hop là, 300. Vous voyez, il faut aller à 5000. En vrai, je pense que 5000... Est-ce qu'il y a des quêtes qui rapportent plus que d'autres? C'est ça la question que je me pose. Pêcheur, ça, hein. La maîtrise de la pêche est une compétence incontournable. Vous voyez, il faut encore que je fasse deux poissons, par exemple. On va faire ça. On va commencer par faire ça, sauf que je n'ai plus de canne à pêche. Donc
on va déjà aller faire ça. On a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut acheter et tout là, c'est il y a vraiment plein de choses. Hein. Thibaut, c'est le même que dans Animal Crossing. Oui, c'est le hibou qui est dans tous les Animal Crossing. Utiliser l'établi au travail. Alors, je peux refaire une canne à pêche. Mais attends, il manque quand même falloir des branches. Ok, attends, on va récupérer des branches. C'est 300 à chaque fois? Oui, c'est tout le temps 300 pour l'instant. Mais la question, c'est est-ce qu'après ce sera plus ou pas? On va essayer de secouer longtemps pour voir. Ah, effectivement, nice. Hop. Est-ce que je peux en avoir plein? Oui, ça va. Hop. Hop. Et là. Hop. 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 Trop bien. Bah, effectivement, je me suis emmerdé pour rien. C'est tellement simple. Tout à l'heure, j'ai eu 600 miles d'un coup. C'est vrai? Ah. On va aller voir ça. On va aller faire la canne à pêche. Enlever les mauvaises herbes, on va tous y passer des heures. Après, une fois qu'on fera des chemins et tout, ça repoussera pas, donc ça ira, mais... Et puis surtout, vivement qu'on ait des matériaux qui ne cassent plus. Ça, ce sera le cas plus tard. On va réaliser ça. Hop là, tout de suite. On va faire deux trucs en plus. On va essayer de compléter les miles, hein, parce que je suppose que pour l'instant, c'est ce qu'il y a à faire. Je pense, hein, en tout cas. Vous avez une opération. Hop là, comme ça, je vais pouvoir le valider. Hop là. J'avais un truc qui vibrait, c'était quoi? C'était le... C'était mon Nookphone? Ou c'était à l'intérieur que ça vibrait? Je sais pas. Oui, on a des miles à récupérer. Alors, voyons voir, bricolage. Ah voilà, 5 sur 5. Ça me donne combien? Ça me donne 300 miles en plus. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à récupérer? Non. Donc on va aller pêcher. Sinon, il est bien le jeu. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Équiper. Donc on va essayer d'aller pêcher les deux derniers qui nous manquent. Et je vous dis, ces quêtes-là sont si bien, en fait. C'est tellement cool. C'est comme ça, au moins, tu vois, tu te focuses sur un truc. Et ça, c'est trop bien. Hop, on va se mettre là, comme ça. Oh, dis donc. Voilà, là, tu vas être trop... Vas-y. Il voit pas. Le relou. C'est bon, là, il va voir. Il en faut deux. C'est bon. Alors. Nice. Un bar commun. Parfait. Hop, ça nous en fait 9. Et du coup, la stamina, on saura. Hein. On saura pour la stamina. Et ici, est-ce qu'on a l'impression... Il faut pas sprinter à côté des poissons, hein, de mémoire. Hein. Sinon, ça les effraie. Hop. Tiens, vas-y, prends ça. Ça rappelle tellement des souvenirs. C'est fou. Ça rappelle tellement de souvenirs. Ah, voilà, on a les 10. Ok. Bien joué. Tu as pris une perche jaune. Ok. Donc, logiquement, voilà, on va là. Et du coup, on peut valider, par exemple, celle-ci. Qui me donne combien? Qui me donne 300 en plus. Bah voilà. Vous voyez, donc ça augmente facilement. En vrai, ça va. Du coup, on a plein d'autres trucs. Je suis sûr, là, par exemple, pêcheur. Bon, faut en faire 100. Donc, celui-là, on va peut-être pas le faire tout de suite. Mais ça, par exemple, il faut que je chope. Remplis ta bébétophobie de poissons et accumule les miles au passage. Tous les types de poissons qui barbotent dans les eaux insulaires. Hein. Ouais. Ça, c'est quoi? Dis bonjour. Entends un programme en coucou rangement qui permet d'obtenir des miles en parlant à ses voisins. Glisse un bonjour à chacun tous les jours. Ah bah attends, il y en a une qui est là. En plus, ça m'avait proposé de dire bonjour. On s'est pas déjà croisé tout à l'heure? Je fais juste un coucou. À la prochaine, les chouilles. Et du coup, est-ce que ça me l'a validé? Ou pas? Non, je crois pas. Hein. Ça me l'a pas validé, ça. Glisse un bonjour à chacun tous les jours. Ok, bah le problème, c'est que l'autre dort, hein, je crois. L'autre, à mon avis, il est en train de pioncer, on va aller voir, mais... Ah, l'autre, il dort. Bon, bah tant pis. Voyons voir ce qu'on a d'autre à faire, par exemple. Pas bébête, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque insecte attrapé est un insecte de moins. Tout ce qui grouille. Une joie d'accueillir quelques bébêtes, ok. Je suis sûr qu'on peut faire plein de trucs. Par exemple, bricolection. Faut faire, vous voyez, 50, on peut faire ça comme ça, 5 sur 50, bricolage de meubles, tu bricoles des meubles, vous voyez, donc il y a tellement de choses, la casse ça paye, 7 sur 50, adieu la mauvaise herbe, ah, typiquement ça c'est facile à faire, ça c'est facile à faire, je pense, hop là, bien ta vidéo sur Breath of the Wild, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup, elle vous a beaucoup plu d'ailleurs, hein, comme toutes ces vidéos à chaque fois, mais bon. J'ai une petite question. Tu as acheté Animal Crossing sur le Nintendo eShop? Ouais, tout à fait. Au début, je voulais le prendre en physique.
Sauf qu'avec ce qui se passe en ce moment, bah, je vous avoue que de plus en plus, il y a eu des bruits comme quoi les trucs arriveraient peut-être pas le jour même et tout. Puis même, j'avais envie de démarrer l'aventure, tout ça, donc bon. Donc voilà, donc ça me semblait bien comme ça. Hop, on est à combien là? Voyons voir. C'est là, non, non. Adieu la mauvaise herbe. Ah, il faut les vendre! Ah, il faut les vendre, j'en ai combien? 34. Ok, bon, on continue. On continue, on continue. Pourquoi tu ne dors pas le jeu? Parce que ça se cale sur mon. Tu peux pas choisir d'aller. Tu peux pas choisir de mettre le jour, sauf si tu changes l'heure de la console. Mais sinon ça ne marche pas comme ça en fait. Oh, attendez, il y a un poisson. Sinon ça marche pas comme ça. Ce sera toujours la même heure que ta console. Ça se calque sur le jour réel en fait. Ah ok, qu'est-ce que nous avons? Un bar. Très bien, je le prends en passant. Ouais, tous les Auchan qui ont eu le droit de sortir le jeu 2 jours en avance. Bah, je vous avoue que moi perso, j'ai pas trop envie d'aller dans un Auchan avec ce qui se passe actuellement. En fait, je préfère rester chez moi. Donc ouais. Ah, mais en fait, j'avais besoin que de 43 parce que j'en ai déjà vendu 7. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, allons-y. Donc, ça va me faire. Est-ce que vous pensez que les herbes donnent beaucoup? Je sais même pas du tout. Je sais pas du tout. D'ailleurs, attendez. Est-ce que ici, il va accepter d'avoir d'autres trucs maintenant ou pas? Quoi, puis-je t'aider? Non, voilà. Donc je peux même plus lui donner mes trucs, il va falloir attendre que le hibou soit là. Donc pour l'instant je pense qu'on va tout vendre. Que puis-je faire pour toi? Achète-moi des choses. Vas-y, bien sûr, qu'est-ce que tu veux vendre? Je veux vendre. Ça. 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 Je pourrais lui montrer à l'autre, mais on les re-attrapera, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Vas-y, confirmez. Et tu as apporté beaucoup de choses! Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter 2700 clochettes. Yes, on prend. On prend, mesdames, messieurs. 5400. On pourra presque lui acheter son truc. Et du coup, on valide notre quête. Et ça, c'est pratique. Vous voyez? C'est beaucoup trop bien. Voilà, adieu la mauvaise herbe. Et du coup, on est. Ah, il y a un truc en plus. Ah, regardez, ici, je fais. Typiquement, par exemple, on peut aller jusqu'à 200 et j'imagine ça me donne plus de choses. Flower power, planter des fleurs. Ah oui, il fallait qu'on le fasse d'ailleurs. On va aller planter nos fleurs. On va aller planter nos fleurs près de chez nous. Mais vous voyez, j'aime trop ce truc parce qu'en fait, du coup, tu t'es guidé un peu, t'as plein de petites choses à faire et tout, c'est trop bien. On va aller planter des fleurs près de chez nous. Hop, déjà, on va enlever un petit peu toutes les mauvaises herbes près de chez nous. D'ailleurs, on a la hache. La hache pourrait nous permettre. Mais après, sans la. Enfin, on a la hache, mais on n'a pas. On n'a pas de quoi déraciner le tronc, donc bon. Hop. J'enlève un petit peu tout ça, puis on va mettre des fleurs près de chez nous, je pense. Et en même temps, comme ça, je récupère des mauvaises herbes pour la quête suivante. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, on va les mettre par ici les petites fleurs je pense. On va enlever un petit peu tout ce qu'il y a ici. La pelle, je sais pas si je peux la faire pour le moment. Je suis pas sûr. Si, je pouvais la faire. Je suis pas sûr de pouvoir faire une pelle pour le moment. Je suis pas sûr d'avoir le craft. Il faut qu'on revérifie. Peut-être que je l'ai en fait. Voyons voir. Est-ce que je l'ai le craft de la pelle? Eh non, je l'ai pas. Outil, je l'ai pas. Bon, je peux faire l'arrosoir si je veux, mais bon. Très bien. Alors, on va planter nos trucs là. On va planter. Nos jacinthes en planter. Hop. En planter. On les plante là hein, pour l'instant. De toute façon, c'est. On modifiera tout un petit peu plus tard, c'est pas la question. Là, c'est juste histoire de faire là, un petit peu les quêtes du début et tout. Voilà. Et du coup, ça a dû nous faire cette fameuse quête dont je parlais, voyons voir. Flower Power, voyons voir. Ouais, c'est ça, 5 sur 10. Vends-en et tu obtiendras des miles par-dessus le marché. Petit tuyau, suivant l'esprit spécifique de notre île, les clochettes pleuvront. De notre île sur d'autres. Ok, très bien. Voilà, par exemple, voilà, faut lui vendre des fruits. Vendons des fruits. On va récupérer des fruits, comme ça me fait des clochettes. Et en même temps, on va essayer. Ouais, ça pourrait être bien qu'on finisse le live sur le remboursement du prêt. Ça peut être pas mal. Il faut voir si on atteint les 5000 ou pas. Ce qui n'est pas sûr. Mais il faut voir. En tous les cas, enfin, vous me confirmez que les fruits repoussent sur les arbres. Logiquement, oui, mais je préfère m'en assurer quand même. C'est ça d'ailleurs, ça va venir au bout d'un moment, je sais pas. Oui, ça repousse, bon bah voilà. Très bien. Donc dans tous les cas, prenons-les. Hop. Je suis à combien là? Je suis à 10 fruits. 11 fruits même. Et il m'en fallait, je crois, 20 en tout.
Hop là, voilà. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'un fruit était buggé. Hein. Je sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais. T'as pas déjà les 5000? Non, c'est pas 5. Non, c'est 5000 miles, pas 5000 clochettes. Les clochettes, sinon, c'est 48 000. Donc, bof, quoi. Hop. Et on est à. C'est bon, allons-y. Allons lui vendre tout ça. Histoire d'être bien. Alors. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. On t'a l'appel, plante des grosses sommes de clochettes. Très bien, on verra ça. Alors, mais oui, ça me dit quelque chose, ça, en plus. Non, je vais venir là. Et je veux te vendre des choses. Que puis-je faire pour toi? Achète-moi. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux vendre? Je veux te vendre ça. Bah voilà, très bien. Comme ça, en plus, on vend les mauvaises herbes. T'as apporté beaucoup de choses? Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Je peux te racheter 2200 clochettes. Ok. Merci, repasse quand tu veux. D'ailleurs, je voudrais faire un truc. Tu veux quelque chose? T'avais des trucs à vendre. Hein. T'avais quoi à vendre? T'avais des trucs chers, mais. T'avais un réchaud de camping ou un fumoir? Vas-y, un fumoir. Hein. On prend. Hein. On est là pour dépenser nos clochettes. Hein. 5000. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un réchaud de camping aussi? As-tu pu repérer autre chose? Bah ouais, vas-y, on prend le réchaud de camping. On essaie d'acheter, ça fera des. Ça fera un petit peu de déco. Ok. As-tu récupéré autre chose? Non. Très bien. Les modos, je pense qu'Animal Crossing est très mignon. Oh bah oui, non mais. C'est tellement mignon Animal Crossing. Et comme ça, on peut faire ça par exemple. Récupérer 24 sur 20. Et du coup, on a 300 en plus et on a 3200. Par exemple, voilà. Les fruits de mer, qu'est-ce que c'est que ça? Les coquillages, donc voilà par exemple. Donc les coquillages, il en faudrait, donc faut lui vendre. N'hésite pas à faire en visant une priorité les plus chères. Ça, c'est quoi? Déchets pêchés. Ok, ça pourrait être intéressant. 5 sur 10. Laisse-moi si tu rentres ici. Plusieurs poissons d'affilée sans en laisser s'échapper un seul. Ok, on est pas mal, c'est facile à faire. Et ça, c'est. Offre des meubles à ta maison. T'offre des miles en fonction du nombre de meubles d'intérieur que tu possèdes. Ah, bah vas-y, on va faire ça. C'est facile à faire, ça. C'est facile à faire, on va faire ça. Hop là. Ça, on se développe tranquillou. J'aime trop. Franchement, c'est tellement détente, c'est tellement bien, on se développe et tout, c'est. C'est beaucoup trop bien. Tu poses le fumoir et finis. Alors, on va peut-être pas poser le fumoir. Ah, dans la tente, c'est pas un peu risqué de poser le fumoir dans la tente? Ah, on peut. Hein. On a quoi là? On a le réchaud, on a le fumoir, on a la boîte en carton et ça, c'était quoi? Tapisserie. On va poser le. On va poser le. Le réchaud. Voilà. Hop là, comme ça la valide. C'est quoi ça là-haut d'ailleurs? Ah, parce que ça, voilà, c'est fait en entier. Hop, et du coup on peut venir là. Ah bon, on en a deux à récupérer. L'achat qui rapporte. Voilà. Oui, ça monte assez vite. Hein. Et ici. C'est quoi? Quand tu dépenses. Ah oui, parce que j'ai dépensé. Parfait. Faites voir si. Ouais, non, si je dors, ça sert à rien. On va mettre ça là. Et on va mettre les meubles dehors maintenant. J'ai quelqu'un justement qui me dit de les poser dehors. Je sais que je peux les poser dehors parce que j'ai déjà posé moi-même mon feu de camp. Mais je sais pas si ça marche par contre. Qu'est-ce que ça me dit? Encore? Je sais pas si ça marche pour. Là, c'était vraiment genre un truc d'intérieur à meubler, je crois. Il me semble. Regardez, on est quasiment aux 5000. Donc ça va. On va le mettre ici, lui. Dans la boîte en carton, non. Le fumoir, on va le poser là. Yes. Est-ce que je peux le. Voilà, ça fait genre. On a posé un petit peu des trucs. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre à faire, mesdames, messieurs? On est bien là, on est bien au niveau des nooks, et on est pas mal. Hein. L'art de meubler. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que c'est que ça? N'hésite pas à dégainer ton appareil photo et faire sortir le petit oiseau à montrer tes clichés autour de toi. Oh, c'est facile ça. C'est facile. Ah oui, c'est vrai qu'on n'était pas allé dans ce menu-là. Eh bien, vas-y, on photographie. Attends, ZL. On peut carrément faire les. Ok. Hop là. Et voilà, du coup, la photo en fait. Vous voyez, il y a plein de trucs, c'est des petits tutos. Hein. Ouais, le jeu est grave chill. Non, mais c'est clairement ça en fait. Et puis, tous ces trucs, c'est trop bien. Ça évite tellement de plus savoir quoi faire à un moment donné. Hop là, 300 en plus, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Passeport. Encore, j'ai personnalisation, donnant. Bah voilà, pareil. Ça va être vite fait. Le passeport. Bon, après, c'est des trucs de base là, hein, mais après, quand il va me demander de lui rembourser plus, tu vas voir. Photo du passeport. Non, on va changer titre. Ilien originel. Espiègle.
Je tente des choses. Est-ce que ça me le valide? Eh oui, ça me le valide. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas bien? Si on dort pas dans le jeu, ça fait quoi? Ça fait rien du tout, je crois. En tout cas. Et du coup, ça, c'est des trucs qu'on termine véritablement. On est d'accord? Ouais, ça c'est terminé. L'achat qui rapporte, ça c'est fait. Perce-oreille. Ouais, donc ça c'est quand tu achètes. Avantage de l'affichage. Un premier message sur le panneau d'affichage vaut bien quelques miles nook. Ah bah voilà, on a notre dernier truc. On a notre dernier truc. Le tableau d'affichage, il est là. Et crée un message au clavier. Message subliminal. Vraiment très subliminal. Vous en faites ce que vous voulez. Mais si jamais vous ne l'êtes pas encore, c'est peut-être le moment. Voilà. Avec la petite voix qui parle, c'est trop mignon. Abonnez-vous! Bien sûr! Et du coup, on est bon! Du coup, on est bon, mesdames, messieurs. Ce qui veut dire que là, normalement, on va pouvoir rembourser notre tente, déjà. Et on va peut-être, du coup, pouvoir améliorer la tente. Je sais pas, on va voir ça. Hop là. Parfait. Vous voyez, donc, ça va, ça se fait, franchement. Ça se fait de faire les trucs. Puis là, en plus, on est au début, mais il y a des trucs qui vont se faire naturellement quand on va jouer. Alors, voyons voir. Mister, bonjour! Ah, bonjour, bonjour! En quoi puis-je être utile? À propos de l'emprunt. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je regarde un truc en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon. Tu veux t'acquitter de tes frais d'installation? Eh bien, ça nous fera 5000 miles. Voilà pour toi. Après, on aurait pu les acheter pour des fringues et tout, mais bon. Merci! En fait, pour l'instant, c'est des trucs, c'est des quêtes que je peux pas refaire. Donc, c'est une fois que c'est fait, j'ai mes miles. Mais après, quand j'avais joué, je vous avais montré, allez voir ma preview. T'as des quêtes un peu infinies, des quêtes journa. Et ça, ce qui te permet d'avoir des miles à mort. Et même si t'as déjà fait ces quêtes-là, t'auras quand même des miles qui tourneront et qui te permettront d'acheter les fringues, tout ça. Ils ont donc 5000 miles. Bon, ça, on a déjà fait le premier remboursement. Tous tes frais d'installation sont désormais épongés. C'est un grand jour pour nous deux, hein. Oui, te voilà déchargé de tes dettes, libre de folâtrer sur cette île florissante. Que demander de plus? Oh, c'est une vraie question. Mais laisse-moi la formuler autrement. Tu n'es pas allé droit dans ta tente? Bien sûr que si. Faut avouer. Non, il faut avouer. Il faut avouer. Il faut avouer. Voilà. On est à l'étroit dans la tente. La vraie d'entendre ça. Enfin, personne n'a jamais dit qu'il était facile d'établir un paradis insulaire. D'ailleurs, on ne fait pas les choses parce qu'elles sont faciles, hein. On les fait parce qu'elles rapportent. En tout cas, si tu commences à te lasser de ta tente, je crois que. Oui, l'heure est venue de parler un peu de bâtir des demeures personnalisées. Et donc notre fameuse maison. Certes, c'est un défi d'édifier des maisons dignes de ce nom dans un endroit aussi isolé. Un défi avant tout financier, cela va sans dire. Mais quand on bénéficie d'un taux à 0% et d'un plan de remboursement très flexible, rien n'est impossible. Alors, Sif, si l'envie t'en prend d'avoir un nouveau chez toi, tu sais à qui t'adresser. Oh, un dernier détail. Nous proposons un service d'échange de miles nook que tu as accumulé. Je te suffit ainsi d'accéder au Nook Stop pour profiter d'un tas de choses moyennant quelques miles, oui. Je compte sur toi pour y jeter un œil au plus vite. Hein. En attendant, continue à prendre du bon temps grâce à notre formule évasion. Et du coup, il va améliorer ma maison ou pas? En fait, c'est ça que j'aimerais savoir. Va-t-il améliorer ma maison? Il ne m'a pas proposé pour l'instant. Prépayé. Voilà. Ouais, bien sûr, 500. Et pour l'instant, il n'améliore pas ma maison. Reparle-lui, je vais lui reparler. En quoi puis-je t'être utile? À propos de ma maison, d'accord. Oh! As-tu pris une décision? Alors, il est certes amusant de vivre sous une tente, mais à nouveau une maison pour se sentir chez soi. Je te parle pas du prodigieux gain d'espace que ce providentiel changement t'apporterait, non. Sache seulement que pour bâtir sa maison, il suffit de contracter un prêt de 98 000 minuscules clochettes. Alors qu'en dis-tu, prêt à te faire construire ton petit? Ben, je peux les rembourser en miles ou pas? Allons-y, alors on est parti de toute façon. Affaire conclue, je veux lancer le chantier pas plus tard que tout de suite, non. Mais d'abord, tu dois m'indiquer lequel de nos 8 charmants coloris te conviendrait pour le toit. Puis-je te demander de choisir la couleur du toit, hein? Une autre couleur. Proposons 4 autres coloris. Bleu. Eh, c'est étonnant. Un toit bleu, excellent choix. C'est une affaire qui roule, oui. Oh, j'allais oublier. Oui. Tous les propriétaires ont droit à une amélioration automatique du programme Miles Nook. Accorde-moi... Ah, ça doit être ça, les 4 journaux. Ça doit être ça, les 4 journées, à 100%. Vous allez voir. Oui, voilà, j'ai mis ton profil de membre à jour, Sifano. Dorénavant, tu profiteras des miles
Avantage, voilà, des miles Snook plus au sein de l'appli miles Snook. Tu pourras notamment engranger des miles supplémentaires lors de certaines grandes occasions. Mais le principe est présenté en détail dans l'appli elle-même. Alors je te laisse découvrir. Je n'ai rien à ajouter. Sinon, quand ton nouveau foyer sera prêt demain, qu'il aura de quoi se réjouir. Oui. Alors, prêt demain, le truc, c'est la question que je me pose. Miles Snook plus, est-ce que c'est au-dessus? Oui, c'est là. Regardez. Il faut encore plus facile de gagner des miles. Voilà. En fait, c'est je fais ça, regardez là-haut. Hop là! Et là, vous voyez, dépenser des clochettes en objets d'achat, pêcher des poissons. Vous voyez, c'est des quêtes. Ça, c'est typiquement des quêtes journa. Et c'est ultra simple à faire, ça. Donc, Ah, 5000, il déconne. Mais c'est ultra simple. Attraper des insectes et tout. Enfin, c'est beaucoup trop bien. Et quand t'en finis une, ça se remet. Ça se remet. Donc, c'est beaucoup trop bien. Alors, la question que je me pose par rapport à la maison. Est-ce que si je dors dans le lit, ça fait passer un jour et c'est construit ou pas? Je suis pas sûr, hein, mais on va aller voir. Allons voir ça. On va voir, on va voir, on va voir. Journalier qui boucle à l'infini. Ouais, non, mais c'est trop bien. Hop. Non, ça marche pas, faut attendre un jour dans la Switch. Quelle tristesse. Ah, quelle tristesse, quelle tristesse, quelle tristesse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, là, pour le coup, on est pas trop mal pour le moment. Et donc, vous voyez, faut attendre 6h AM. Ah ouais? Ah, d'accord, ok. Bon, on verra la prochaine fois qu'on jouera, de toute façon. Du coup, il y a toujours plein de petits trucs qu'on peut faire. Il y a plein de petites quêtes et tout. Donc, c'est ça qui est beaucoup trop bien. Et franchement, là... Non, je vais pas avancer. Alors, je vais pas tricher. Je vais pas tricher. Mais c'est vraiment beaucoup trop bien. Je suis fan. Franchement, faites-moi un petit... Faisons un petit bilan, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Concrètement, ça fait bientôt 2 heures qu'on est en live. Il est bientôt 2h du matin, donc on va pas non plus trop tarder, je pense. En plus, c'est bien, on a remboursé le prêt, donc c'est plutôt sympathique. Mais franchement, je trouve ça tellement chill. Alors après, forcément, il y a des actions, pour ceux qui connaissent pas Animal Crossing, il y a forcément des actions répétitives, pêcher, etc. Oui, c'est répétitif, mais après, petit à petit, tu engranges de l'expérience et tout. Enfin, c'est... Puis le fait de voir ta maison, t'as de plus en plus de possibilités qui arrivent, le fait de voir ta maison avancer et tout, c'est trop bien. Vraiment, non, moi je trouve ça beaucoup trop bien. Alors, attention. Attention, concentration. Attention. À chaque fois j'ai la main, j'ai le doigt tellement, tu sais, en mode, il faut que j'appuie ou pas. Il est très cool, il est très changé des précédents, donc je le trouve amélioré. On s'ennuie pas un peu quand même au bout d'un moment? Bah justement je pense pas, parce que maintenant il y a tout ce qui est quête et tout, il y a le terraforming qui va arriver petit à petit. Là en fait on a vraiment rien débloqué, vu qu'ils partent du principe que c'est une nouvelle vie entre guillemets. C'est à dire t'arrives vraiment sur une nouvelle île et tout, tout est à faire. C'est pas une ville qui est déjà existante, du coup tu développes les choses petit à petit. Après il y a forcément, ça dépend de votre... merde, ouais, bah là j'avais pas là. Ça dépend je pense de votre... de votre style de jeu. Moi je sais qu'au bout d'un moment, possiblement, je vais sentir que je tourne en rond. C'est pour ça que je vous dis, on va pas faire un let's play de... Alors, je sais pas, tant en fait, je vais accrocher de ouf, mais... je vous dis, on va peut-être jouer une semaine, 2 semaines, 1 mois peut-être, je sais pas. Puis au bout d'un moment, voilà, ça reviendra un peu au même, donc on s'arrêtera. Mais dans les faits, c'est un jeu qui est complètement infini, quoi. Une perche jaune. Yeah. C'est un jeu qui est complètement infini, qui se veut complètement infini, donc c'est... c'est beaucoup trop bien par rapport à ça, je trouve. Hop là. C'est beaucoup trop stylé. On continue de se balader, de pêcher, de ramasser des choses, tout ça. Hein. Très clairement, c'est un petit peu la base des choses. On va pêcher ça en même temps. Mais ouais, je trouve ça beaucoup trop cool. Je serais très curieux de voir un truc, de finir la quête des mauvaises herbes. Juste pour voir combien ça donne de Nook Miles. Regarde tes plans, normalement tu en as des nouveaux. Ah oui, j'ai de nouveaux plans. On va voir ça. Non, je crois pas. Alors oui, j'ai des choses ici que je peux... j'ai tout ça, hein, que je peux effectivement faire si je veux. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas, par exemple, la pelle. Le petit nid d'oiseau qu'on peut faire. Alors c'est vrai que je vous ai pas montré comment on faisait d'ailleurs. C'est vrai que ça serait... pour être intéressant de vous montrer. Mais en gros, il y a plusieurs types de bois dans ce jeu, il faut le savoir. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs types de bois. Quand tu tapes, en fait, ça casse pas forcément. Ça te donne du bois. Et vous allez voir, il y a plusieurs types de bois. Je sais pas si là on va l'avoir. Donc là, on a du bois... comment ça s'appelle? Voilà, du bois dur. Mais il y a aussi d'autres types de bois. Vous allez voir, est-ce que là on va avoir un autre type de bois ou pas? Non, ici on a que du bois dur pour l'instant. Ah si, voilà. Vous voyez? Ici c'est du bois tendre. Et en fonction, on peut pas construire la même chose. En gros, c'est un petit peu ça le truc.
Et ça, tout ça, ça va nous permettre à faire pas mal de choses. On a pu voir, et c'est trois. Et ça casse pas forcément l'arbre. Hein. Je sais pas d'ailleurs, je crois qu'on peut casser l'arbre. Mais en fait, l'arbre, c'est avec des haches qui sont plus costaudes que celle-ci. Donc pour l'instant, voilà. Où on en est à peu près. Donc, voilà. Et si tu pouvais, Mister. On continue. Je pense que la hache va casser au bout d'un moment d'elle-même. Pour l'instant, je prends un petit peu tout ce qui est là. Il y a trois types de bois normalement. Il y en a trois, j'en ai trois là ou pas? J'en ai deux. J'ai. Oui, le bois, c'est ça, le bois. Le bois dur et le bois tendre. Effectivement, voilà. Voilà un petit peu comment ça se. Comment ça se passe. Combien est-ce qu'on a de. Je suis curieux de voir. Combien est-ce qu'on a? On a 63, ouais, donc c'est quand même assez long à faire ça, ces trucs. Et vous voyez, comme ça, on va essayer de se finir la hache. Hop. J'ai raté un don? Non, je crois pas. Non, non, c'est bon. J'ai pas raté de don. C'est trois à chaque fois. C'est quand même vraiment bien. Un bois tendre, c'est ça. Un petit bois tendre. Exactement. Hop, à chaque fois ils me font rire quand ils loupent. J'aurais bien aimé retomber sur des abeilles. Peut-être pour essayer. Ah, j'ai dû faire une quête. Bêtement en fait. J'ai dû faire une quête en faisant du bois. C'est où c'est là-haut? Non, là on a fait 2 sur 5, c'est pas ça. Ici. Bûcheron, parfait. Ouais, 21 sur 20, tu vois. 300, et après le prochain c'est combien? Après c'est 100, tu vois, donc ça se fait petit à petit. En fait, là évidemment, si tu farmes 100 de bois, c'est long. Évidemment. De toute façon, là, je vais bientôt péter. Mais si tu fais ça un petit peu comme ça au quotidien et tout, en fait, faut voir ça plus comme des trophées, en fait, un peu. Comme dans WoW, tu vois, des quêtes de la répute, ou enfin, vraiment des trucs un peu que tu montes sur le long terme. Essaye de taper la pierre avec la hache. Je peux essayer, mais a priori, ça fera rien. J'ai absolument rien dit. Je n'ai absolument rien dit, c'est incroyable. Je n'étais pas du tout au courant. Oh, attendez. Attendez, 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 déjà il y a un gros poisson. Hop. Je pensais vraiment pas. Trop bien. Attends, on pêche le poisson en même temps. Vas-y, viens. Hop là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bar? C'est un bar. Tu as pris un bar. Ok. Et du coup, on va. Ah oui, effectivement, on peut voir que mon endurance a. Que mon endurance a baissé. Donc la stamina a baissé, comme tu peux le voir. Exact. Exact, exact, exact. Et oh oui. Et la hache vient de péter. Parfait. Oh, il y a un insecte. Il y a un insecte, il y a un insecte. Attends, il y a combien là? Ouf. Ce qu'on vient de choper. Vous avez vu? Je l'ai eu. Nice. Trop bien. Et c'est un. Un cloporte. Bon, c'est un cloporte. Mais. Toujours cette prix. Par contre, ce qu'on a eu en clochette, c'est violent. Enfin, c'est violent pour ce stade du jeu-là, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup trop bien. Ne détruis pas tous les rochers. Ah. Eh ben, j'ai détruit tous les rochers, je crois. Non, est-ce qu'il en reste un? Fais voir. Est-ce qu'il en reste. Non, ça va, il en reste un. Il en reste un, il en reste un. Tu peux changer d'arme avec les flèches. Ah, ouais, exact, c'est vrai. Enfin, d'arme. On s'est compris. Mais effectivement, on va dire ça, d'armes. Hop! Économise insectes poisson pour le musée puisse s'agrandir. Oui, dans tous les cas, pour l'instant, on va pas les vendre. On va attendre que l'autre y soit là. J'imagine que ça prend 24 heures comme pour la maison, qu'il y aura le musée. Parce que là, on peut plus les donner à Tom Nook. Donc le fait de plus pouvoir les donner à Tom Nook, ça sous-entend effectivement que derrière, on va pouvoir les donner à l'autre. Il repop de toute façon la prochaine journée ou au bout d'un moment. Bon, ça va alors. Attention. Hop! Qu'est-ce que nous avons? Hey! Bonjour, un chacha. Le seul truc, c'est que j'ai vu que Tom Nook, on lui avait donné une loche à un moment donné. Et on pouvait lui redonner. Donc j'espère que pour le musée, je sais pas s'il y en a qui ont déjà le jeu et qui sont avancés suffisamment pour répondre à ma question, mais j'espère que le musée qu'on va arriver, ce sera quand on voudra lui donner un poisson et qu'on lui a déjà donné, bah, ce sera grisé, tu vois, qu'il puisse nous dire, bah non, ça tu l'as déjà fait, parce que sinon. Sinon, on en a pour 15 ans en fait, à savoir ce qu'on lui a déjà donné ou pas. Mais je pense pas que je vais les vendre là, les poissons et les insectes, justement. Je vais garder ça. Parce que ça pourra nous être utile. Hop, garde le rocher pour quand tu auras craft la pelle. Très bien. Tu peux enlever l'arbre devant le musée avec la pelle. Ouais, mais j'ai pas encore la pelle. J'ai pas le craft de la pelle. D'ailleurs, je sais pas comment est-ce qu'on débloque le craft de la pelle. Je sais pas ce qu'il faut faire avec Tom Nook. Parce qu'il m'a pas proposé le craft de la pelle. Donc, moi je veux bien, mais. Attention. Hop! Oui, tu ne pourras lui donner deux fois la même chose. Bon, très bien. Oh! Un vive anneau. Ce sera grisé normalement. Ok, parfait.
Hop, et là du coup, regardez, on a fait celle-ci, par exemple, voilà. Et du coup, ça va être remplacé, je crois, par autre chose directement. Voilà, c'est ça, par abattre des arbres. Ouais, pour l'instant, j'ai pas assez, mais voilà. Donc c'est. Et d'ailleurs, j'ai ça aussi. Hein, remplis ta bébé. Bah voilà, parfait. Regardez, j'en ai fait 10. 300 en plus, voilà. Vous voyez? Donc c'est vraiment trop cool. C'est vraiment hyper. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je. Vous voyez, ça se. Enfin, il y en a un nombre assez faramineux. Bref. Pour l'appel, ce sera pour une autre journée. Très bien. On va aller lui vendre ça, je pense, à l'autre là. Alors, pas tout, hein, évidemment, mais on va aller lui vendre quelques trucs. Ça rajoute grave du gameplay. Ben oui, non, mais c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Hop. Non. Je veux pas emporter ça, je veux te vendre des choses. Bienvenue, que puis-je faire pour toi? Je veux. Ah, tu as quoi à vendre déjà, toi? Est-ce que t'as changé ton stock ou pas? Non. Donc pour l'instant, on va garder ça. Tu as changé d'avis? Bah oui, mais j'ai déjà acheté tes trucs. Et je voudrais te vendre des choses, mais je vais évidemment pas lui vendre les choses importantes, hein, vous inquiétez pas. Achète-moi des choses. Alors, je viens de voir dans la poubelle ce qu'il y avait. On va lui vendre. La boîte de conserve, ça évidemment, on va lui vendre. Ça, le bois, on va lui vendre. Coquillage, on va lui vendre. Ça, on va lui vendre. L'argile, on va le garder. Le bois, on va lui vendre. L'argile, d'ailleurs, je peux pas faire mon truc. Non, c'était de l'argile. C'était du minerai, je sais plus. Je sais plus du tout. Ça fera 3000 clochettes. Bien. Pour le musée, dans ton encyclopédie, il y aura écrit. De toute façon, ouais, dans l'encyclopédie, ce sera écrit. Très bien. Il y a d'autres items à acheter si tu le fais à la touche R. Ah, c'est vrai? Je crois pas, là, on était sur tout, non? Attends, on va y voir. Ah mais oui! Plan de hache rudimentaire, plan de lance-pierre, le béaba du bricolage. Ah mais oui! Voilà, ça n'a rien à voir. Mais alors attendez, 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 attendez. On va lui acheter un arrosoir. Non, je peux le crafter l'arrosoir, on va pas l'acheter. Le lance-pierre, je sais pas si on peut par contre. En revanche, sac de jacinthe. Les pousses d'arbres. Pousses de cèdre, pousses d'arbres. Plan du lance-pierre, ça on va l'acheter. On va acheter les plans plutôt. Voyons voir. Son prix est de 300 clochettes. Vas-y, je prends le plan du lance-pierre, j'achète. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les ressources, on aura le temps de les récupérer. Plan de hache rudimentaire, on a déjà. Arrosoir rudimentaire, on a aussi. Et ça, c'est le béaba du bricolage. Vas-y, je prends. Et t'as un accueil des plans du bricolage. Voyons voir, son prix est de 480. Vas-y, je lui prends ça. Fais ZR quand tu veux acheter des trucs à Mélie. C'est vrai, ça marche mieux. Ok, on va essayer pour voir. On va voir ce que ça fait. Est-ce que les jeux s'adaptent bien avec le langage de la Switch? Ah, j'avoue que j'en sais rien. J'avoue que je n'en sais rien. As-tu repéré d'autres choses? Non, c'est bon. Alors attendez, on va voir ZR. Bah, je fais ZR, mais ça marche pas. Non, alors peut-être attends. ZR. Ça change quoi de faire ZR? Je comprends pas. Je sais pas. Bon, du coup, alors voyons voir un petit peu ce qu'on a débloqué comme truc. Voyons voir. Nous avons débloqué. Hop. On va aller ici et on a débloqué plein de choses, j'imagine. On a débloqué. L'ocarina. Yes. Le plus important. Là, on a tout. On a les châteaux. Ah ouais, il y a plein de choses après qu'on pourra faire, hein, mais je ne sais pas si on craftera déjà, mais il y a plein de petites choses. Parfait. Parfait, 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 parfait. Bon, mesdames, messieurs, il est 2 h du matin. Je pense que pour cette session découverte, en vrai, on est pas mal. On aura découvert pas mal de choses. On aura passé la phase d'introduction. On aura complété plein de petites quêtes. On aura fini de rembourser notre prêt. Donc bon, je continuerai bien à jouer avec vous, mais bon, il commence à être tard, donc là, je pense qu'on va s'arrêter. Et comme ça, la prochaine fois qu'on jouera, eh bien, le musée sera là, ma maison aura amélioré, ça veut rien dire, aura été améliorée, donc c'est parfait. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes en tout cas qui sont venues, vous étiez très nombreux malgré l'heure et ça m'a fait super plaisir, vraiment, merci beaucoup. La rediffusion va arriver dans la nuit dès qu'elle sera prête, voilà, je vais la mettre en dispo dès qu'elle est là. Et voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues, merci beaucoup à toutes les personnes qui se seront abonnées, merci beaucoup à toutes les personnes qui seront devenues membres. Je rappelle que ça ne coûte que 1 euro, si jamais vous voulez me soutenir, et bien voilà, il y a un lien dans la description. Merci beaucoup à toutes les personnes qui auront fait des dons, je le dis jamais assez, mais merci, merci, merci. Et si vous n'avez rien fait de tout ça, et bien ça ne fait absolument rien, les amis. Vous pouvez aussi tout simplement mettre un pouce bleu et votre présence suffit de toute façon. C'est votre soutien, le fait d'être là, c'est ça le plus important à chaque fois. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous.
Et on se dit à très très vite. Et normalement, je peux sauvegarder comme ça. On fait une pause. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était très très cool. Et merci beaucoup à Cyclo qui devient membre à l'instant. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très vite. Bye bye.